Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous allons, comme le veut la tradition, procéder à l'appel. C'est monsieur Simon Bonne qui va procéder à l'appel. Et monsieur Bonne, je vous informe que j'ai un pouvoir qu'Agathe Méry a donné à madame Charpentier pour la représenter ce soir. Y a-t-il d'autres pouvoirs, madame Alquier ? Allô ? Oui. Bonsoir, bonsoir, chers collègues. Je voulais vous informer que j'ai un pouvoir de monsieur Briot et qui est accompagné d'un message au Chénier Courtois et aux membres du Conseil, si vous permettez. Alors, peut-être faire l'appel d'abord et on prendra le message après, si vous voulez bien. Ça va avec le pouvoir, disons. Bon, allez-y. Merci. Ce soir, jeudi 1er juillet 2021, marque la fin pour moi d'un travail considérable effectué pendant plus de 30 ans pour notre ville du Chénet, devenue depuis 2 ans le Chénet Rocancourt. Quand je dis notre ville, c'est celle qui m'a vu naître et celle composée d'habitants que je connais nombreux et qui ont largement contribué à la dynamique que j'ai animée en tant que maire. Quand je parle de mon travail, c'est bien sûr celui que j'ai pu réaliser grâce et avec un grand nombre d'élus fidèles, car tous ne l'ont pas été, qui m'ont accompagné. Je n'oublie pas non plus tous les administratifs exceptionnels et bien sûr je nommerai son chef de file, Gilles Lefebvre, qui pendant plus de 25 années m'a accompagné. Ce fut une collaboration fidèle, exceptionnelle. Cette ville, je suis fière de pouvoir dire que dans le même esprit que mon prédécesseur Maurice Cointe, je l'ai transformée. Elle est devenue cette commune où tout le monde veut habiter et demeurer. Je quitte ce conseil, heureux du travail accompli, mais inquiet du devenir de notre belle ville après cette première année de nouvelle gestion. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de passer le relais à Nicole Alquier, une élue forte, fidèle, compétente, qui va me succéder à la tête de notre groupe. Elle a fait un très beau résultat il y a quelques jours départemental. Représenter déjà 40% des électeurs est une belle reconnaissance. Je sais que je peux compter sur elle et sur tous les élus de mon groupe qui sauront protéger cet esprit du Chénet Rocancourt, de compétence et de convivialité auquel je suis si attachée. Je pars, persuadée de la capacité des élus à travailler pour nous, Chénet Courtois, et plein d'espoir dans l'intelligence de chacun pour que vive le Chénet Rocancourt. Merci. Bien. Est-ce que je dois comprendre que M. Briot démissionne à la lecture de cette... auquel cas, il n'y a pas de pouvoir. J'ai juste besoin, Mme Alquier, que vous... Mme Alquier, est-ce que je dois comprendre à la lecture de ce texte que M. Briot a démissionné du Conseil ou est-ce qu'il vous donne son pouvoir, juste d'un point de vue formel ? D'un point de vue formel, c'est un pouvoir. Il est là ce soir par ma présence. D'accord, ok. Merci. Bien, Monsieur Bonne, je vous reconfirme le pouvoir de Madame Méry pour Madame Charpentier et vous invite à faire l'appel. Merci. Merci, Monsieur le Maire. Donc, je procède à l'appel. Richard Delpierre. Présent. Violaine Charpentier. Présent. Benoît Ribert. Présent. Lucie L'Oncle Buda. Alors, donc, un pouvoir, c'est donc... Madame Charpentier. Madame Parmentier qui a le pouvoir. D'accord. Louis-Marie Soleil. Véronique Siadou. Christophe Consdorf. Martine Bélier. Jean-Louis Jarige. Aline Téménides. Philippe Collins. Marie-Laure Majou. Gilles Bertin. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget,
Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille, Simon Bonne, présent, Patrick Berthomé, Jean-Michel Wrangeur, Tanguy Odic de Kerneren, Géraldine Arène-Schneider, Frédéric Darentière. Donc, qui a la procuration ? Véronique Siadou. Valérie Jeannequin, Anne Testu, donc Agathe Méry, représentée par Violaine Charpentier, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Selvely, Marie-Cécile Godot, Jean-François Pemery, Maurice Toledano, donc Monsieur Philippe Briot, représenté par Nicole Altier, Nicole Altier, je n'ai pas mes lunettes, mais par contre, je vous connais. Nicole Altier, pardon. Karine Lemene, Laetitia Guignard-Viau. Donc, c'est... Donc, Fabrice Tabary, Stéphane Gors, Dorothée Bidger, Caroline Nocringer, pardon. J'ai fini l'appel. Merci, Monsieur Bonne. Petit rappel à tous les élus de la majorité et de l'opposition. Merci d'envoyer vos pouvoirs un peu avant la séance. C'est normalement ce que prévoit le règlement intérieur. Donc, je veux bien qu'on soit souple, mais là, il y a quand même beaucoup de pouvoirs qui sont arrivés en séance. Donc, le rappel vaut pour l'ensemble des groupes. Merci. Le quorum est atteint. Avant d'ouvrir cette séance, je voudrais vous transmettre les remerciements de 3 associations. La Croix-Rouge française, l'ASP Yvelines, ASP pour accompagnement en soins de support et soins palliatifs, et l'ASFIR, l'association de soutien en français des immigrés et réfugiés. Ces 3 associations qui remercient le Conseil pour les subventions que nous leur avons versées. Nous allons commencer ce Conseil par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 17 mars 2021. Y a-t-il des souhaits d'intervention, de remarques sur ce PV ? Pas de remarques. Je vous propose donc de l'approuver. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Premier point de l'ordre du jour concerne donc le nouveau règlement local de publicité. Nous en avions déjà parlé, mais nous avons à assurer un débat sur les orientations générales de ce règlement. Je passe la parole à Madame Théménides. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, c'est un sujet encore technique, un peu comme le peut l'être le plan local d'urbanisme. Et donc, j'ai demandé à Madame Luton du cabinet Vue Commune qui nous accompagne dans la démarche de présenter ce débat avec moi. Donc, je voudrais juste rappeler que la procédure est longue, que nous ne faisons que commencer, puisqu'on a fait la prescription en décembre dernier, et que ce sera rappelé après, la durée de la procédure est de l'ordre de un an et demi, et qu'on en est au stade juste des orientations générales. Donc, Madame Luton. Merci, bonsoir à tous. Donc, effectivement, ce soir, l'étape de procédure qui est soumise à délibération du Conseil municipal, c'est le débat sur les orientations générales. Donc, c'est un petit peu le pendant du débat sur le PADD du PLU, puisque la procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité est exactement identique à celle d'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Juste en introduction, quelques propos qui resituent le sujet. Alors, on peut défiler les diapos. Voilà, un règlement local de publicité, qu'est-ce que c'est ? C'est un document qui poursuit une finalité environnementale de protection du cadre de vie. En fait, par un règlement local de publicité, on vient adapter les règles nationales qui existent en matière de dispositifs d'affichage extérieur aux spécificités du contexte local, donc ici aux spécificités de la commune nouvelle. Par un RLP, en fait, on va faire en sorte que ces dispositifs d'affichage extérieur, enseigne, publicité, préenseigne, qu'ils se situent sur propriété privée ou sur domaine public, s'insère de la manière la plus harmonieuse possible à notre territoire.
Donc, le champ d'intervention du RLP, c'est bien tout ce qui est extérieur. A contrario, ça veut dire, par exemple, que tout ce qui se situe à l'intérieur d'un local commercial, on a, par exemple, des locaux commerciaux avec des écrans numériques. Pour l'instant, ce type de dispositif échappe au champ d'application du RLP. On s'intéresse uniquement à l'affichage extérieur. Les trois catégories de dispositifs réglementés par notre document, enseigne, pré-enseigne, publicité, on a remis ici les définitions du Code de l'environnement. Donc les enseignes, pour faire simple, on va dire, c'est tout ce qui est relatif au commerce. Le Code de l'environnement précise que c'est toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble relative à une activité qui s'y exerce. Donc on a en photo des exemples d'enseignes parallèles ou perpendiculaires au mur. Pré-enseigne et publicité, vous voyez sur la diapo qu'on les a encadrés de la même façon, puisque on a deux catégories de dispositifs, mais c'est le même régime juridique qui s'applique. Les pré-enseignes, c'est toute inscription, forme ou image qui indique la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Donc à chaque fois, sur ces panneaux, on a l'indication de la direction à suivre pour rejoindre telle ou telle activité. Souvent, on a une flèche directionnelle, donc ça, c'est qualifié de pré-enseigne. Publicité, en fin de compte, c'est tout le reste. Le Code de l'environnement donne une définition assez large de la publicité. C'est toute inscription, forme ou image destinée à informer le public, à attirer son attention. Le Code de l'environnement ne donne pas forcément de dimension commerciale à la publicité. Donc voilà les trois catégories de dispositifs réglementés par un règlement local de publicité, qu'il se situe sur propriété privée ou sur domaine public. Un rappel du contexte. Jusqu'à présent, la commune historique du Chesnay était couverte par un règlement local de publicité. Il datait de 97, donc quelque peu ancien, surtout que en fait toute la matière du droit de l'affichage a été profondément revue en 2010 par la réforme qu'on appelle Grenelle de l'environnement. Ce RLP de 97, il est arrivé automatiquement à caducité depuis janvier de cette année. A contrario, la commune historique de Rocancourt n'avait pas de RLP, donc c'était simplement la réglementation nationale qui s'appliquait, et surtout, l'autorité compétente en matière d'affichage sur le territoire, c'était le préfet, c'était pas le maire. Donc demain, le RLP va couvrir tout le territoire de la commune nouvelle, et le maire va retrouver les pouvoirs de police en matière d'affichage. Ça permet notamment de contrôler au préalable l'installation des enseignes. La procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité est exactement identique à celle d'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Donc on retrouve les mêmes étapes de procédure. Ici, on les a représentées de manière, on va dire, très simplifiée. Ce soir, on en est à l'étape du débat sur les orientations générales. Alors, ça ne consiste pas en un vote pour ou contre. L'objet, c'est de susciter d'éventuelles discussions sur les grandes orientations qu'on soumet à débat ce soir, donc les grandes lignes directrices du futur document. Ensuite, on envisage d'arrêter le projet de RLP à la fin de cette année. Avant ça, on aura concerté la population, on aura concerté les commerçants, les professionnels de l'affichage, donc un public qui est un peu plus directement concerné par notre sujet. Et puis, on aura aussi associé les partenaires institutionnels, donc ceux qu'on appelle les personnes publiques associées, notamment État, département, région, chambre de commerce. Comme en matière de PLU, une fois qu'on a arrêté le projet de RLP, il est soumis à avis des partenaires institutionnels, d'une commission spécifique. Il est soumis également à enquête publique et l'approbation est envisagée pour juin 2022. Oui. Alors, le diagnostic, donc aujourd'hui, quelle est la présence de publicité sur le territoire? Donc ici, vous avez une carte avec des petits points. Ces petits points représentent des panneaux publicitaires. On en a relevé 28 sur le territoire de la commune nouvelle. Ce sont les dispositifs, là, 100%
publicitaire. C'est pas du tout, par exemple, la publicité qui se situe sur domaine public, sur, par exemple, un abribus. Là, sont recensés vraiment les dispositifs dont la seule fonction est d'être support de publicité. Est-ce qu'on peut écouter l'intervenante ? Merci. J'ai bientôt fini, promis. Alors, quand on est afficheur, le but, c'est que on installe un panneau là où on a le plus de chances qu'il soit vu par le plus grand nombre. Donc, ces panneaux publicitaires, on les retrouve dans les lieux, on va dire, qui génèrent le plus de trafic. Donc, les axes routiers les plus empruntés sur votre territoire. Et puis, sur le parking extérieur du centre commercial Parly 2, on a recensé une dizaine de dispositifs publicitaires. Donc, voilà où se situe la publicité sur le territoire. Au final, elle se concentre sur certains axes et sur le parking du centre commercial. Sur domaine public, on trouve aussi de la publicité, on en trouve sur mobilier urbain. Le mobilier urbain, c'est ce qui est installé sur domaine public à des fins de commodité pour les usagers. Donc, par exemple, un banc, une poubelle, c'est du mobilier urbain. Et il se trouve que le Code de l'environnement admet que certaines catégories de mobilier urbain supportent de la publicité de manière accessoire à leur fonction principale. Ce mobilier urbain publicitaire, il est installé au titre de contrat que la commune conclut avec des opérateurs. Donc, sur votre territoire, la société qui a le contrat de mobilier urbain actuel, c'est la société Deco, et on trouve notamment de la publicité sur abribus, de la publicité sur mobilier d'information. Donc là, c'est la photo du milieu. Ici, on a représenté la face publicitaire, mais au dos de ce mobilier d'information, on a de l'information générale ou locale, par exemple le plan de la ville. La publicité sur mobilier urbain, puisqu'elle est accessoire au mobilier lui-même, on ne la trouve pas forcément dans les mêmes lieux que les dispositifs 100% publicitaires. Ça ne poursuit pas la même logique. Avant tout, là, ces mobiliers rendent un service aux usagers et à titre accessoire, on trouve de la publicité sur certains de ces mobiliers. Avant l'installation de l'ensemble de ces mobiliers, au cas par cas, l'accord de l'ABF est de toute façon requis. Alors, l'autre volet du RLP, donc les enseignes, enseignent tout ce qui est relatif au commerce. Aujourd'hui, sur votre territoire, vous avez des enseignes particulièrement qualitatives et qui s'insèrent plutôt de manière très harmonieuse à la fois à la façade commerciale qui les supporte et dans leur environnement de manière générale. Ça, c'est vraiment l'effet du RLP de 97, le RLP de la commune historique du Chesnay, qui a pleinement produit ses effets sur le terrain. Par exemple, on voit que pour les enseignes traditionnelles, donc plutôt les commerces exercés en rez-de-chaussée, en centralité, eh ben on a un mode de réalisation de l'enseigne qui est particulièrement qualitatif. Artisan boucher, on a une enseigne qui est, on appelle ça en lettres découpées, on n'a pas un caisson très épais, et puis on a une seule enseigne perpendiculaire qui se situe dans le prolongement de l'enseigne parallèle. Donc tout ça, ça nous donne quelque chose d'assez harmonieux, et idem, les enseignes du centre commercial Parly 2 sont assez sobres pour, on va dire, des bâtiments d'une telle ampleur, donc elles sont assez remarquables pour leur qualité et leur sobriété. Les enseignes scellées au sol, on en a quelques-unes sur le territoire. Les règles nationales en la matière, elles sont assez restrictives. Normalement, c'est limité à une enseigne scellée au sol par voie bordant l'activité. Donc, on se pose la question dans le cadre du RLP, puisqu'on peut adapter les règles nationales au territoire local. Est-ce qu'il faut durcir les règles nationales, par exemple en limitant la surface des enseignes scellées au sol et pourquoi pas en imposant qu'elles soient de format totem. Ça, c'est l'exemple, la photo où vous voyez l'inscription Yamaha, c'est ça un totem, ce qui permet de distinguer en fait le format de l'enseigne scellée au sol du format d'une publicité classique 4x3. Donc,
Sur la base de ce diagnostic qui a été réalisé donc en avril 2021, il nous appartient de vous proposer des orientations générales pour le futur règlement local de publicité. Il faut noter que la particularité de notre commune, c'est que tout le territoire est couvert par le périmètre délimité des abords de Versailles et du Trianon, ce qui fait qu'en conséquence, toute publicité est en principe interdite aux généraux concours, que ce soit sur propriété privée ou sur domaine public, mais que le RLP, on a la possibilité avec notre RLP de déroger justement à cela. Par contre, il appartient au RLP de délimiter, de lister limitativement les types de publicités admis. Et sinon, ils seront interdits. D'où les orientations que je vous propose. Donc derrière, sur les publicités et préenseignes, nous aurons un zonage, et donc avec des propositions par secteur, en disant qu'en tout lieu, on vous propose d'admettre la publicité sur mobilier urbain, puisque c'est géré par le contrat de la ville. Pour tout ce qui est publicité numérique, de la refuser a priori de manière générale, en ayant un point d'attention sur tout ce qui est mobilier urbain, puisque c'est géré de toute façon par notre contrat. Et vous avez vu que l'échéance est en 2027, donc il faut se laisser des portes ouvertes. Dans l'emprise de la zone commerciale de Parly 2, la publicité scellée au sol de 8 mètres carrés pourrait être autorisée avec compte tenu de la vocation économique des lieux. Et de la même façon, rue de Versailles, route de Mantes et boulevard Saint-Antoine, d'admettre de la publicité murale et de la publicité scellée au sol, en nombre et surface limitée, en essayant d'éviter bien sûr au maximum les nouvelles installations, mais en gardant le côté aussi circulation de ces voies. Et enfin, dans l'ensemble des secteurs résidentiels, par contre, on n'admettrait que de la publicité sur mobilier urbain. Ce qui fait que l'objectif est plutôt de rester dans le même contexte. Deuxième orientation générale, elle, pour les enseignes, puisque publicité et préenseigne étaient gérées ensemble. Donc ici, clairement, au vu du diagnostic présenté par Madame Luton, notre RLP, le RLP de l'ancienne commune historique a pleinement joué ses effets et est très qualitatif. Et ce qu'on propose quelque part, c'est de reconduire ces mesures du RLP de la commune historique du Chesnay à l'ensemble de la commune nouvelle. Je ne vais pas détailler davantage. Sur ce là, voilà, si vous avez des questions ou autres, on considère que le débat est ouvert. Le débat est très largement ouvert. Madame Luton, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation synthétique et détaillée. Merci à Linté Ménidez d'avoir présenté, puisque c'est de notre responsabilité, les propositions d'orientation. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention de la part d'autres groupes? Madame Alquier, vous avez la parole. Oui, merci. Écoutez, notre groupe est tout à fait favorable au fait de limiter la pollution visuelle, tout en gardant un certain pragmatisme pour les commerçants. Donc nous sommes assez favorables à rester relativement raisonnables dans la diffusion de la publicité. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Pas d'autres souhaits d'intervention? Oui, si. Je voulais quand même aussi intervenir sur le contenu de la publicité, puisqu'on a déjà eu par le passé des publicités où il y avait une image de la femme un peu dégradée ou de ce type-là. Donc je veux dire, monsieur le maire, quelle sera votre action par rapport à des publicités qui seraient un peu, disons, tendancieuses ou contraires aux bonnes mœurs? Je ferai appliquer la loi, madame Lemenné, voilà. C'est aussi simplement que ça, mais voilà, vu la variété des supports, c'est pas la responsabilité du maire de s'assurer du contrôle des contenus. Il y a un certain nombre d'instances qui sont là pour ça, donc je ferai respecter la loi. Pas d'autres souhaits d'intervention? Bien, je vous propose, si vous voulez bien, de prendre acte que ce débat a eu lieu, puisque, comme pour le débat d'orientation budgétaire, il est prévu que l'Assemblée prenne acte. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, nous prenons tous acte que ce débat a eu lieu. Et donc, nous partons, Madame Téminès, pour combien de mois de travail? Parce que ça prend un petit peu. On va avoir une bonne année, on va dire. Voilà, une bonne année. Donc, voilà. Nous sommes amenés à nous revoir sur ce sujet avant un moment de voter. Merci beaucoup. Deuxième délibération. Moins drôle. Nous allons parler de taxes foncières sur les propriétés bâties, de la limitation de l'exonération de 2 ans pour les constructions neuves à usage d'habitation. Monsieur Soleil, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Je pourrais bien tenter d'essayer de la rendre drôle, mais j'ai peur que ça dépasse les habitudes de ce genre de réunion. Donc, il s'agit de l'exonération possible sur les taxes foncières que payent les habitants après une construction neuve. Aujourd'hui, ce qui est autorisé, c'est que les maires peuvent choisir d'exonérer à 100% pendant 2 ans la taxe foncière que doivent payer les gens.
C'est une possibilité qui leur est offerte. Les départements n'avaient pas cette possibilité. Or, je vous rappelle que depuis peu de temps, nous avons voté cette disposition au Conseil municipal. Nos taxes foncières, pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, nos taxes foncières sont constituées d'une part de l'ex-taxe foncière communale et l'ex-taxe foncière départementale. Cette partie départementale, elle, n'avait pas la possibilité d'être exonérée. On n'avait pas la possibilité de supprimer l'exonération, excusez-moi. Elle était de toute façon exonérée pendant 2 ans. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre les décisions de la commune en l'occurrence, mais nous ne pouvons pas décider de supprimer l'exonération sur la part sur l'ex-part départementale. C'est pour ça que ce qui est proposé, c'est de limiter l'exonération à une fourchette qui est comprise entre 40% de la taxe et 90%. 40%, c'est ce qui correspond à continuer à faire payer, à exonérer les gens sur ce qui était déjà la part départementale. 40-90%, ça donne un peu de souplesse au maire. Vous avez d'ailleurs un tableau très pédagogique qui est fourni par M. Aubé, qui vous donne quelques exemples entre une limitation à 40% de la taxe qui revient à laisser les choses en l'état. Les gens, dans ces cas-là, payent une taxe de 60% et ils sont exonérés de 40%. Vous avez un exemple avec 90% de la taxe qui revient à ce que les gens payent 10%, etc. Donc, ce que nous proposons, nous, en substance au Conseil, c'est de maintenir les choses telles qu'elles étaient, en faisant d'ailleurs un petit rajout, c'est que cette exonération de taxes pouvait concerner les locaux d'habitation, mais pouvait être supprimée sur les locaux d'habitation financés par des prêts aidés par l'État. Donc il y avait une nuance dans cette possibilité de supprimer l'exonération. Au Chesnay, par exemple, la suppression d'exonération portait sur l'ensemble des logements neufs. À Roquencourt, elle portait sur l'ensemble des logements neufs, sauf les logements financés par des prêts aidés par l'État. Donc ce que nous vous proposons là, c'est de revenir au statu quo type le Chesnay avant 2019, c'est-à-dire de conserver les recettes telles qu'elles étaient et donc de limiter l'exonération à 40% pour l'ensemble des logements, c'est-à-dire y compris ceux qui auraient été, cas très rares d'ailleurs, mais y compris ceux qui auraient été financés par des prêts aidés par l'État. Voilà. Merci Monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Monsieur Gors. Simplement pour dire que notre groupe est favorable à cette extension de ce qui se faisait auparavant dans la commune historique du Chesnay. Merci beaucoup. Pas d'autres souhaits d'intervention. Je vous propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Nous allons passer à la troisième délibération pour régulariser une situation qui était un peu compliquée d'un point de vue administratif, je dis bien d'un point de vue administratif et juridique, mais pas technique. Il s'agit du transfert de la compétence assainissement au syndicat Hydréolis et de l'approbation du procès-verbal de mise à disposition des biens. Monsieur Ribert, vous avez la parole. Monsieur le maire, merci. Donc effectivement, on est sur une régularisation. Pour résumer, nous avons aujourd'hui un Hydrolis, qui est notre syndicat d'assainissement, qui historiquement était en avance de phase. Finalement, le Chesnay Roquencourt avait décidé de déléguer une partie de l'assainissement qui n'était pas obligatoire, qui l'a été finalement au 1er janvier 2020. Donc toute une partie de VGP qui a basculé avec le PCI qui gère l'assainissement, et nous sommes restés avec Hydrolis, comme trois autres communes. En parallèle de ça, en fait, il y a il y a des rétrocessions qui n'ont pas en fait complètement effectuées, et donc on est là pour l'acter. En effet, Hydrolis aujourd'hui, il exerce sa mission, il intervient sur les réseaux de Roquencourt d'un point de vue patrimonial, mais le réseau, lui, ne lui a toujours pas été mis à disposition. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les termes du procès-verbal qui est joint, de façon à autoriser Monsieur le maire à le signer. Il entraîne la mise à disposition des équipements et du réseau nécessaires à l'exercice de la compétence, ainsi que la charge des emprunts, dont je vais vous faire la lecture ensuite. Dans le cadre de la mise à disposition, seul le droit d'aliéné ne peut pas être transmis à Hydrolis, et donc il est important de noter que la commune reste propriétaire pendant toute la durée du transfert de la compétence d'Hydrolis. Il est substitué à la commune dans ses actes, délibérations et contrats se rapportant aux biens désignés, et notamment pour ce qui concerne la charge des emprunts et l'amortissement des subventions qui ont contribué au financement des biens.
Ainsi, la commune mettra à disposition du syndicat un actif brut d'1 253 238,38 €, dont la valeur nette comptable, elle, s'élève à 445 339,57 € pour être précis, la valeur au 31 décembre 2019. Moyennant un capital restant dû de 16 517,35 € et des subventions d'équipement transférables au compte de résultat de 55 797,64 €. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Ribert. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur une délibération dont je redis qu'elle est essentiellement là pour régulariser une situation de fait, puisque Dieu merci, Hydrolis s'occupe de ce réseau depuis un certain temps. Pas de souhait d'intervention, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons basculer dans le devoir de mémoire et je vais passer la parole à monsieur Tengiodic de Kernen pour une convention de partenariat avec l'association du souvenir français. C'est un sujet sur lequel on avait déjà délibéré pour accorder une subvention, mais il s'agit maintenant d'expliquer concrètement ce que va être ce travail de devoir de mémoire. Monsieur Dick de Kernen, vous avez la parole. Merci monsieur le maire, bonsoir à vous tous. Donc cette délibération du 1er juillet 2021, devoir de mémoire et accès à l'histoire des défunts ayant le statut mort pour la France, inhumé au cimetière communal du Chesnay Roquencourt. Le Souvenir français est une association née en 1872 en Alsace et en Lorraine, qui a après été annexée au niveau national en 1870, dont le président est M. Xavier Nissienne, qui est basé, cette association, le siège, est à Neuilly. Association d'utilité publique présente dans 66 pays, neutre politiquement et religieusement. Aujourd'hui, 210 000 adhérents et 1750 comités locaux, dont un au Chesnay Roquencourt. La vocation première, de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France, qu'ils soient français ou étrangers, civils ou militaires, au cours de son histoire, et qui l'ont honoré par de belles actions, notamment entretenant leurs tombes, ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger. Ce projet consiste à pouvoir avoir une visibilité sur les tombes des morts pour la France. L'application s'appelle Géomémoire et aujourd'hui dans les Yvelines, nous sommes le 10e cimetière à honorer ce devoir avec ce partenariat sur le souvenir français. Au niveau du financement, cette opération va être menée sur les 6 années. Et donc, au total des dépenses, nous aurons 4 060 €. Au total des recettes, nous aurons 4 060 €. La subvention de la commune s'élève à 812 € et est incluse dans cette subvention globale qui touche au total 1 420 € pour le souvenir français du Chesnay Roquencourt qui a été voté par le conseil municipal le 7 avril 2021 et qui a déjà été versé à cette association. J'en ai fini, monsieur le maire. Je vous remercie, monsieur Dick de Kernen. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce projet? Monsieur Gors, je vais prendre le micro, puis madame Alquier, dans cet ordre-là, monsieur Gors. Oui, je voudrais simplement indiquer que naturellement, nous allons voter favorablement cette délibération. J'en profite pour saluer le travail qui est fait par le président local du Souvenir français, donc Sébastien Gertz. Voilà. Je vous en remercie. Madame Alquier. Oui, donc moi, je voudrais souligner que cette initiative est une bonne idée, que ça projette dans l'avenir un peu les événements du passé et que c'est important pour un effort pédagogique auprès de la jeunesse et c'est un outil qui devrait permettre effectivement de rendre plus proche ce souvenir de mémoire. Merci. Je vous remercie de cette belle unanimité et vous propose donc dans la foulée de passer au vote. Je comprends qu'il n'y aura pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité. Merci pour le souvenir français. Donc nous vous donnons rendez-vous, je crois, pour le 11 novembre puisque l'enjeu est d'être prêt pour cette échéance importante en termes de devoir de mémoire. Délibération suivante, nous ne sommes pas loin du cimetière, mais de l'autre côté de la rue, Parc Aubert, avec une convention de mise à disposition par le centre hospitalier de Versailles. Monsieur Ribert, je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Effectivement, on va parler du Parc Aubert, qui est le parc le plus grand de la commune, et certains ne le savent peut-être pas, mais il n'appartient pas directement à la commune. Il appartient à l'hôpital Mignot depuis 1978.
Nous avions une convention avec l'hôpital qui avait été signée le 20 avril 82, qui était signée pour une durée de 30 ans. Donc, vous faites le calcul, ça faisait déjà quelques années que nous n'avions plus officiellement de droit sur cet endroit, malgré qu'on en avait encore un peu la gestion et l'entretien. Et donc, on avait la volonté de le mettre à jour et de repartir sur un parc qui reprenne toute sa place, à la fois en termes de qualité paysagère et puis d'amélioration des activités sportives. Donc, dans ce projet, le parc Aubert est bien entendu destiné à rester un parc paysager de rencontres et de détente, de repos, mais également vocation à devenir un lieu privilégié pour la pratique d'activités physiques et sportives. Le point le plus important de cette convention va être que ça va nous permettre en fait de réhabiliter les trois terrains multisports et tennis, hein, pour ceux qui connaissent, qui sont dans un état très problématique aujourd'hui. Ils sont abîmés. Il y a du squat, il y a des bouts de verre. Enfin, bon, bref, c'est pas un endroit agréable en soirée aujourd'hui. Donc, dans ce contexte, le centre hospitalier de Versailles entend autoriser la commune à remettre en état les espaces de jeu destinés à la pratique sportive, moyennant l'utilisation exclusive du court de tennis situé le plus au nord par le personnel de l'hôpital. Pour les deux autres espaces de jeu, l'intérêt est d'offrir au public des espaces sportifs accessibles à tous librement. Effectivement, c'est des espaces multisports dont la commune manque cruellement. Évidemment, on a mis une volonté d'avoir un mobilier urbain qui soit cohérent avec l'espace et la possibilité à terme d'installer des toilettes sèches qui pourront être installées à l'entrée du parc tout en restant discrètes, propres et intégrées dans l'environnement. Une volonté de penser aux animaux avec la possibilité d'installer un espace de divagation pour les chiens dans l'enceinte duquel les chiens pourront être laissés en liberté. Et puis, une petite partie sur la mobilité douce, puisqu'il faut garantir la possibilité pour les usagers du parc de circuler en vélo ou par tout moyen de circulation douce dans l'emprise de mise à disposition. Le maire pourra prendre par voie réglementaire des dispositions propres à organiser l'utilisation de cet espace privé ouvert à la circulation du public. Un règlement sera donc élaboré conjointement avec le centre hospitalier et regroupant notamment les éléments de la convention proposée, ainsi que des dispositions prises par arrêté du maire. Enfin, il est rappelé que cette mise à disposition est consentie par le centre hospitalier de Versailles à titre gracieux, charge à la commune d'assurer la propreté et l'entretien paysager du parc et de remettre en état le court de tennis destiné au personnel du centre hospitalier. Merci. Bien, avant de vous donner la parole, merci Monsieur Ribert, un petit complément et un petit éclairage politique. Vous connaissez tous, enfin une bonne partie d'entre vous, ce parc. Vous saviez que les anciens courts de tennis étaient à l'abandon depuis de longues années. Pour certains, ils devenaient carrément dangereux. Le sujet, c'était de voir comment les réhabiliter, les remettre à l'usage des publics. Je dis des publics puisque, vous l'avez compris, nous ne sommes pas complètement chez nous, qu'on a en face de nous un centre hospitalier qui était assez ouvert à la discussion et qu'avec l'année que nous venons de traverser, la question aussi se posait de savoir comment renvoyer un message vis-à-vis des personnels soignants et notamment, pas que, mais notamment là, des personnels hospitaliers. Et donc, l'expression qui est arrivé d'avoir un court de tennis à disposition exclusive du personnel hospitalier ne nous paraissait pas complètement scandaleuse de la part de l'hôpital. Je suis néanmoins conscient, je partage avec vous, qu'on va prendre sur l'impôt de l'ensemble des chaînes courtois pour la réhabilitation d'un espace qui ne leur sera pas ouvert, mais la contrepartie, c'est que les deux autres espaces qui ne sont pas normalement complètement à nous pourront être laissés à la main de la ville pour être réhabilités et eux ouverts complètement à la population. Donc je vais être complètement transparent et clair avec vous. Je pense que vu le contexte et vu l'année qu'on vient de passer, ça ne me paraît pas scandaleux que la ville du Chesnay-Rocancourt renvoie un message, petit message, mais croyez-le, bien apprécié, aux soignants de l'hôpital. Et ça nous laissera ensuite la possibilité, je dis ensuite parce que ce n'est pas sur cet exercice budgétaire qu'on rénovera l'intégralité des équipements. La priorité, on va la donner au cours de tennis pour les raisons que je viens d'évoquer. Et on verra à quelle vitesse, je le souhaite le plus rapidement possible, on pourra rénover et remettre à disposition l'ensemble de la population des équipements dans un cadre qui est absolument remarquable et très apprécié de nos administrés. Voilà ce que je voulais dire en complément. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ? Madame Bilger, puis Madame Alquier. Oui, bonsoir à tous. Non, je souhaitais simplement souligner le fait que cette réhabilitation était très attendue des Chénésiens puis des Chénécourtois depuis longtemps et que c'est une excellente initiative et que, bien sûr, nous suivrons avec intérêt les projets que vous venez d'évoquer. Merci et nous prenons le temps de les partager, bien évidemment. Madame Alquier. Oui, donc nous sommes favorables également à cette réhabilitation et à l'offre sportive. Je voudrais juste qu'on fasse un petit peu attention à la
la cohabitation entre tous les publics, puisqu'on parlait de vélo, voilà, ou trottinette, ou enfin tout, voilà, les mobilités douces, donc à encadrer pour que tous les publics puissent avoir accès. On va prendre le temps, vous l'avez compris, on va commencer par le cours de tennis et on prendra le temps de partager ensemble effectivement sur les usages de ce parc. Après, vous savez où sont positionnés ces cours, hein, il reste quand même toute une partie du parc qui restera dédiée à des activités plus sereines. Mais évidemment qu'on reviendra vers vous sur la suite de l'aménagement. Merci, on va passer au vote. Et donc vous l'avez compris, pour faire tout ça, il fallait qu'on clarifie nos relations avec l'hôpital et cette signature de convention permettra de nous offrir ce cadre de travail. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? À l'unanimité, merci et merci pour les soignants. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Jarige pour une délibération qui sera un classique chaque année, la révision des tarifs des droits de voirie et de stationnement. Monsieur Jarige. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, les tarifs actuels des droits de voirie et de stationnement en vigueur sur Reconcours ont été instaurés par délibération du conseil municipal de la commune historique de Reconcours du 25 septembre 2017. Donc, il y a aujourd'hui 5 catégories. Il est proposé aujourd'hui d'ajouter une catégorie supplémentaire. En effet, la commune a été sollicitée à plusieurs reprises ces derniers mois par les opérateurs désirant installer dans le quartier de la ZAC du Bourg un commerce alimentaire temporaire sous diverses formes, certainement en raison de l'absence de commerce de proximité dans cette zone. Pour mémoire, doit débuter cet été le volet d'activité de la ZAC qui inclura notamment une surface alimentaire, un hôtel et des commerces et services de proximité. Le programme mené par la promoteur Duval doit s'achever en 2023. Néanmoins, aucune de ces sollicitations n'a été menée à terme à ce jour en raison du niveau élevé des droits de voirie applicables qui rendent l'équation financière insoutenable pour ces opérateurs. Face à ce constat, dans un souci de dynamisation de ce quartier, en permettant notamment à ses habitants un accès aisé à ce type de commerce, il est proposé au Conseil d'instituer un droit de voirie spécifique sur le parking de la Sabretache à raison de 60 euros par an et par emplacement de stationnement neutralisé pour l'installation de tout commerce alimentaire temporaire, dès lors que cette occupation court sur une durée minimum d'un an, sans pouvoir dépasser 3 ans. Merci, Monsieur Jarige. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Bilger. Oui, en fait, si je comprends tout à fait la nécessité de faire un tarif de voirie pour pouvoir solliciter en fait des opérateurs extérieurs pour le bien donc des habitants, ça j'ai pas de souci, nous n'avons aucun souci avec. Par contre, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est le niveau extrêmement bas de la tarification qui fait que qui pourrait faire craindre en fait une jurisprudence sur ce tarif là si un autre commerçant souhaitait s'installer sur une autre partie du chaînet. Voilà, c'est simplement juridiquement, je voudrais être sûr que ce soit bien encadré. Notamment on a des tarifs aussi avec le marché forain, etc. Donc que ce soit pas un tarif qui puisse être retoqué à un moment donné. Donc c'est pas du tout pinaillé, c'est une vraie question en fait. Je sais pas si vous avez les moyens de me répondre aujourd'hui, mais ça m'a un petit peu interpellée. Voilà. Et comme j'étais pas en commission et j'ai pas eu l'opportunité d'en discuter, ce qui explique que ma question n'arrive qu'aujourd'hui. Alors juridique, donc afin de mettre une somme en minimum, donc on a fait attention à ce que ça reste donc dans les cordes, donc c'est pour ça qu'on a mis cette somme, mais bon, je pense pas, on peut revérifier si vous voulez, mais à l'heure actuelle... Je pense qu'effectivement le risque juridique est assez faible, après le risque commercial, j'entends ce que vous dites, oui. Pour autant, ça va me permettre de faire un tout petit point d'actualité, on n'a malheureusement pas été assaillis par les offres, jamais. En tout cas dans le secteur qu'on évoquait, oui. Et donc je profite de cette délibération avant de passer au vote pour donner deux éléments d'information. L'un sur la cession effective du terrain, puisque M. Jarige évoquait le projet Duval. Donc, le terrain a été vendu par la ville à Citalios et à Citalios par Duval. Donc, cette étape-là est franchie, ce qui nous permet d'espérer donc, que la suite du calendrier sera tenue. Et pour ce qui est du commerce, en restant prudent, mais nous avons bon espoir, et c'est pour ça que cette délibération est importante, de pouvoir accueillir dans les jours qui viennent un commerce de proximité sur la ZAC du Bourg. Et vous savez que, comme malheureusement les travaux du lot activité de la ZAC vont prendre un peu de temps, il était important pour nous d'essayer d'offrir un service rapide. Et donc cette délibération viendra, M. Jarige l'a dit, permettre de résoudre l'équation économique qui est un des éléments bloquants. On n'avait pas eu beaucoup d'offres, mais dans ceux qui ont bien voulu examiner ce dossier, cet élément de l'équation économique est important. Voilà. Après, si demain...
nous sommes assaillis par des offres qui viennent perturber l'organisation du commerce sur le reste de la commune, mais on redélibérera pour se reprotéger ou on sectorisera, on essaiera de s'adapter. Mais je vous avoue, pour l'instant, on n'a pas été menacé par ce type de proposition. Mais la remarque vaut. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. Monsieur Soleil, vous n'avez vraiment pas de chance, parce que c'est vraiment toutes les délits pas drôles qui tombent sur vous, et donc là, vous avez une garantie d'emprunt. Pour une opération de logement social, c'est une délibération assez classique, et je suis heureux qu'on puisse accompagner les opérateurs sur ce type d'opération. Allez-y. Monsieur le maire, si vous trouvez que les précédentes ont été drôles, on n'a pas le même sens de l'humour, mais enfin bon, je vais quand même la faire. En fait, celle-ci, elle est assez amusante parce que elle sert à rien ou pas grand-chose. En fait, nous avons, en décembre, nous avons accordé la garantie d'emprunt de la ville à la société de HLM Immobilière 3F qui demandait un prêt à la Caisse dépôt et consignation pour financer la réalisation de 46 logements au carrefour des rues Psicari et de Montrostan. 3F a cru nécessaire de modifier son contrat de prêt en pensant que ce contrat initial qui avait été souscrit avec la ville historique du Chesnay n'était plus valable maintenant que les deux villes étaient fusionnées. C'était une erreur, mais ils l'ont fait quand même, ils ont modifié leur contrat de prêt, donc ils nous demandent d'accorder notre garantie d'emprunt à ce deuxième contrat qui existe, qui sert à rien, mais qui existe. Donc tous les termes sont les mêmes, les conditions sont les mêmes, il vous est demandé d'accepter de redonner notre garantie d'emprunt pour ce deuxième contrat. Presque tout est dit. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. On passe au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Nous allons maintenant parler modalité de tarification d'insertion publicitaire dans le journal municipal d'information. La parole est à Madame Camille Ribert. Merci, Monsieur le maire. Depuis un an, le conseil municipal a maintenu les modalités d'achat et de réservation des insertions publicitaires dans le mensuel municipal à l'identique de ce qui était pratiqué par le passé. Cela se traduisait principalement par l'application de trois types de tarification, soit l'achat à l'unité, soit par le biais d'un abonnement de 6 numéros consécutifs, ou un tarif préférentiel sous condition d'adhérer à l'association Le Chesnay Entreprise. Au vu des différents retours d'expérience, des contraintes qui sont générées par ces procédures et par notre volonté de soutenir les entrepreneurs nouvellement installés, mais aussi de permettre de relancer les publications pour les activités locales, il paraît opportun de modifier les modalités de publication et la tarification. Il est donc proposé à l'Assemblée de porter le nombre de parutions annuelles de 10 à 11 numéros, de revoir la grille tarifaire avec les catégories suivantes, annonceurs hors commune, annonceurs Chesnay Courtois et annonceurs nouvel entrepreneur. Il est également préconisé de créer un nouveau type d'insertion publicitaire sous la forme de publi rédactionnel. Et enfin, de porter l'abonnement à un nombre de 3 parutions mensuelles successives. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que paraîtra le 11e numéro ? Le 11e numéro serait pour le mois de juillet-août, en fait. Okay. Parce que là, le dernier numéro, c'est au mois de juin. Et on s'aperçoit que c'est très, très tôt dans la saison et qu'il y a vraiment une communication à faire auprès des habitants à cette période-là. Merci beaucoup. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération, Madame Bilger ? Oui, en fait, c'est une question. Je voulais savoir si ceci avait été discuté avec l'association Chesnay Entreprises. Je ne sais pas, Madame Ribet. C'est une question parce que je sais que c'était aussi un levier pour eux pour accueillir des adhérents. Donc voilà, c'est oui, un peu oui, effectivement. Nous, on s'est plus basé sur le fait de faire un hors commune plutôt que de soumettre les gens, les entrepreneurs, à devoir adhérer à une société, à une association payante.
on a préféré prendre toutes les personnes qui ont une activité ou qui ont un cabis ici. Voilà. Non, je comprends tout à fait la démarche. Simplement, je pense que pour l'association, d'abord, ça permet aux élus d'avoir un regard. Je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Jarige, mais d'avoir un regard sur quand même le tissu entrepreneurial. Et bon, il me semble que ça aurait été une bonne idée de les consulter, mais ce n'est qu'une suggestion de ma part. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'a pas fait, pour différentes raisons, du fait que ces entreprises ont été assez prises dans leurs différents problèmes à résoudre depuis maintenant un an. Donc, mais il est prévu que nous ayons des discussions sur différents sujets avec le monde de l'entreprise et des commerçants courant du mois de juillet. Voilà ce que je peux vous dire. Après, ces sujets ne sont pas gravés dans le marbre, donc si à un moment il y a besoin de rééchanger avec les représentants des commerçants de la ville, on pourra le refaire, mais en tout cas, à ce stade, on va démarrer avec ce schéma-là. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Si pas d'autres souhaits, on passe au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Nous restons dans l'univers du commerce avec une proposition d'adhésion de la commune au club Commerce 78 de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Monsieur Jarige. Merci, monsieur le maire. Le 10 mars 2021, donc, la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines a créé un club Commerce 78 qui regroupe donc des collectivités territoriales souhaitant être accompagnées pour dynamiser leurs commerces locaux et leurs centres-villes. Donc, dans le contexte sanitaire, les mesures administratives qui sont imposées aux commerçants de la commune ont fait émerger des problématiques nouvelles. Pardon. Différentes associations de commerçants sur la commune les ont parfaitement accompagnées durant cette période. La présente adhésion permettra donc de mettre en œuvre des moyens supplémentaires et complémentaires mis à disposition des commerçants Chêne et Courtois, afin que chacun puisse disposer d'outils nécessaires pour faire face à ce contexte économique difficile. L'objectif, in fine, est de préserver et d'accroître la vitalité du tissu commercial local dans le contexte difficile que nous traversons. À ce titre, ce club Commerce 78 aura différentes vocations. Mutualiser les bonnes pratiques et fédérer des dynamiques individuelles. Réaliser une veille sur les tendances et faits marquants du commerce de proximité. Développer et mettre les acquis sur les aspects réglementaires et solutions adaptées au commerce de proximité. Et enfin, créer, au cours de l'année 2021, une boîte à outils et des fiches de bonnes pratiques à destination des commerces locaux. La réflexion et l'accompagnement des commerçants alimentés par cette adhésion pourraient permettre, entre autres, de trouver des solutions concernant l'appui à la recherche de porteurs et de projets d'enseigne, la recherche de financement, la digitalisation des commerces et l'adaptation aux nouveaux moyens de communication, la vitalité du centre-ville en évitant notamment la problématique de la vacance commerciale. Les frais adhérents à l'adhésion de cet organisme consulaire s'établissent à 1 000 euros par an. Merci, Monsieur Jarige. Des souhaits d'intervention? Pas de souhaits. On passe au vote. Si, Madame Alquier, non. Dites-moi. Oui, bon, c'était juste. C'est une bonne initiative, effectivement, de la Chambre de commerce, de permettre aux commerçants d'avoir des plateformes et notamment d'avoir une réflexion sur les centres-villes. Et donc, c'est très important et je trouve que c'est une excellente initiative. Merci. Merci. Pas d'autres souhaits, on passe au vote, des votes contre, abstention à l'unanimité. Nous allons maintenant rentrer dans un grand tunnel sportif. Donc je vous demande de la bienveillance et de l'indulgence pour M. Voiseux qui va enchaîner 10 délibérations d'un coup et certaines sont importantes, il y a beaucoup de renouvellement, mais voilà. Donc M. Voiseux, vous ouvrez le bal avec la suppression du service activité municipale de tennis loisirs. Merci Monsieur le maire. Donc le service d'activité tennis loisirs de la commune qui était en place depuis 2005 sur notre commune, elle a vu être un peu suspendue d'octobre 2017 à juin 2019 pour les travaux. Et donc il nous a semblé opportun de rebasculer cette activité auprès de l'association qui est en position à demeure sur le tennis Trianon. Et donc, dans ce cadre, on demande de pouvoir arrêter l'activité municipale tennis-loisirs, en sachant que si le conseil vote pour, donc on pourra passer une convention avec le tennis Trianon pour reprendre cette partie de l'activité qui répondra à la demande, qui répondra à ce qui se faisait avant également. En sachant que les activités de multisport, les activités EPS, les activités jeunesse, et les cours dispensés par les enseignants des cours payants en dehors du cadre associatif
restera en activité sur le tennis. Donc voilà, il est demandé donc de suspendre cette activité municipale. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce premier opus? Pas de souhaits d'intervention. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Nous restons donc dans la partie tennis avec la présentation d'une convention de partenariat tripartite avec l'association Tennis Club Le Chesnay Trianon. Monsieur Oiseux. Voilà, donc merci. Étant donné qu'on vient d'arrêter, on vient de supprimer l'activité tennis loisirs de la commune, on propose donc de passer une nouvelle convention avec le TCT pour reprendre cette activité, en sachant que ça serait donc une convention de partenariat. Étant donné que la subvention est inférieure à 23 000 euros, à savoir que ça fait déjà une année qu'on passe en discussion avec l'association pour pouvoir que tout s'organise autour de ça, avec donc pour reprendre tous les termes de cette convention, on a tout rediscuté avec l'association. Et donc c'est une convention tripartite avec le Chesnay Sport, comme d'autres associations, pour que le club ait un support au niveau administratif, gestion de salariés, pour sa partie comptable. Et autrement, sur les autres points, ça reprend ce que je vous disais juste avant dans la délibération. Merci. Des souhaits d'intervention sur cette délibération? On va passer au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Et merci pour le gros travail nourri avec cette association avec laquelle on a beaucoup d'échanges, pas toujours simple, mais ça fait partie de la vie de la vie du monde associatif et de ses relations avec la mairie, mais en tout cas c'est un gros travail qui aboutit et je vous en remercie, vous et les services. Nous allons rester toujours dans le tennis avec la délibération numéro 12 concernant l'approbation des conditions de mise à disposition et des termes de la convention type pour l'utilisation des courts de tennis communaux rue des Sports en vue d'une exploitation économique. Merci, monsieur le maire. Donc, comme je vous disais auparavant, on garde cette activité lucrative pour les enseignants qui souhaitent dispenser des cours. Cette convention, on l'avait vue en mars, on l'a passée en mars en délibération. Elle reste dans les mêmes termes où on privilégie certains horaires pour garder la pratique libre disponible. Et donc, comme la convention était prévue jusqu'à fin août, on demande de renouveler cette convention pour l'année prochaine. Merci. Des souhaits d'intervention? On passe au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. On bascule dans la musculation avec une délibération concernant la suppression du service activité municipale de musculation. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le même principe un petit peu que le tennis, la pratique de la musculation était encadrée par la municipalité depuis 2006. Et au vu de la création d'une nouvelle association pour la musculation, il nous a semblé opportun de repasser cette activité au monde associatif, qui est bien plus simple d'être géré aussi au niveau associatif. Alors, en sachant que l'encadrant de cette activité, qui était un agent vacataire de la collectivité, va être basculé salarié de l'association, donc c'est une continuité totale sur cette activité à ce niveau. Et bien sûr, si le conseil souhaite arrêter cette activité, on passera derrière une convention avec cette association. Merci. Des souhaits d'intervention? Passe au vote. Des votes contre, abstention à l'unanimité. Et donc, dans la foulée, pour recréer une activité de musculation, mais pas que, nous avons une convention de partenariat tripartite avec trois nouvelles associations sportives. Monsieur Oiseux. Merci, monsieur le maire. Donc voilà, il y a trois associations qui se sont créées l'année dernière et cette année, et ils ont souhaité repasser aussi une convention pour pouvoir utiliser les infrastructures de la ville. Cette convention qui est demandée tripartite, ils ont fait la demande au niveau du LC Sport pour être adhérents également. Donc on a l'association de Naginata du Chesnay Rocancourt, qui était anciennement rattachée à l'ESMR, et le 11 février 2021, ils ont valider en Assemblée Générale le fait de sortir de l'USMR et de devenir une association à part entière. Après, on a l'association du Chesnay Rocancourt d'entretien physique, dite la CREP, donc que je vous parlais juste avant au niveau de la musculation. Et on a également l'association Cabinet Sport Santé, le Chesnay Rocancourt,
Donc on a un petit peu parlé, c'était au niveau du lancement du sport santé par l'association de Boxstyle. Et pour dissocier au mieux ces activités, il a été créé une nouvelle association dans ce but. Merci. Des souhaits d'intervention sur ces trois conventions ? Pas de souhaits, on passe au vote. Des votes contre, à l'abstention, unanimité. Merci. Délibération suivante, ça concerne une convention de partenariat bipartite avec l'association Karaté Shito Ryu. Donc dans le même principe, l'activité Karaté Shito Ryu a souhaité sortir de l'association USMR le 11 février 2021. Ils ont créé leur association, monté leur statut, et dans le même principe, ils demandent de passer une convention pour pouvoir continuer leur activité sur le principe de la mise à disposition des locaux. Et eux n'ont pas forcément souhaité adhérer au LC Sport, étant donné qu'ils n'ont pas de salariés, que des bénévoles. Ils n'avaient pas pour le moment la réelle nécessité d'adhérer au LC Sport. Donc c'est pour ça qu'on passe une convention bipartite pour cette association. Merci. Pas de souhait d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Et comme on aime bien les conventions tripartites, je vous redonne la parole pour le renouvellement des conventions classiques de partenariat tripartite avec les associations sportives historiques. Oui, donc voilà, sur le même principe, on avait des associations qui avaient été déjà sous convention. Cette convention arrive en fin août à terme, donc il était nécessaire de les renouveler. Donc on retrouve les mêmes associations en sachant qu'il y a eu des petits points en revue dans les conventions, même sur les autres, pour être uniforme, pour une question de choses plus pratiques, de dates plus communes et plus adaptées à ce qui se passe en réalité. Voilà, autrement, sur le principe, il n'y a pas eu grand changement et donc on demande de renouveler ces nouvelles conventions. Merci. Pas de souhait d'intervention, pas de vote contre, abstention à l'unanimité. Merci. Une convention de partenariat tripartite avec une association un peu particulière qui est le Cercle Hippique du Chesnay, un avenant de prolongation. Monsieur Oiseux. Merci, monsieur le maire. Donc oui, cette convention qui est spécifique pour le Cercle Hippique du Chesnay, parce qu'il y a plusieurs particularités par rapport à ce club. Et donc là, on veut prolonger cette convention pour se laisser le temps de cette année pour reprendre plusieurs termes dedans. Un petit peu à clarifier sur ça, mais voilà, donc pour leur permettre de continuer leur activité sans problème, on demande de prolonger cette convention. Merci. Des souhaits d'intervention sur le club hippique ? Non. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Une dernière convention de partenariat bipartite avec l'association USMR. Voilà, donc l'USMR, l'association multisport de Rocancourt, lors de la fusion, avait donc une convention qui a été passée spécialement avec eux. Donc c'est toute l'année, on a repris avec eux différents termes pour discuter, avec des particularités aussi, parce que le tir à l'arc et le tennis a un usage exclusif. Donc voilà, donc les termes ont été revus, la convention arrivait à fin août, elle devait être renouvelée. Et donc cette fois-ci, on la renouvelle pour un an, renouvelable 3 ans, parce que tous les termes ont été revus avec l'association. Merci. Des souhaits d'intervention pour l'USMR ? Non. Des votes contre ? Abstention à l'unanimité ? Merci. Se termine donc là le cycle des renouvellements de conventions. J'en profite pour remercier de nouveau M. Voiseux, le service des sports et M. Charrère pour le temps très important que l'ensemble des équipes ont passé à toiletter ces conventions qui sont elles aussi importantes. Elles offrent un cadre et un cadre juridique notamment. Donc merci à toutes et tous pour ce temps passé important qui, je l'espère, permettra au tissu sportif de reprendre une activité normale dans un cadre satisfaisant. Pour autant, Monsieur Voiseux, votre marathon n'est pas terminé. Vous avez encore une délibération concernant le remboursement partiel ou la prorogation des abonnements suite aux mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 concernant les activités sportives municipales. Non, avant, on a la délibération pour le... Pardon, j'étais un peu vite. Donc, vous avez effectivement une délibération concernant les redevances d'utilisation des installations sportives et les dérogations pour le lycée Jean Moulin et le collège Charles Péguy pour l'année 2021-2022. Merci, monsieur le maire.
Donc, depuis plusieurs années, avec le collège Charles Péguy et le lycée Jean Moulin, est passée une convention pour leur permettre d'utiliser les infrastructures sportives avec un tarif précis de 6 614 euros. À savoir que ce tarif avait été un petit peu baissé l'année dernière pour compenser le non-pratique dans les infrastructures l'année précédente à cause du Covid. Et en fait, sur la commune, on a un barème d'utilisation des infrastructures à l'heure. Et donc là, on demande de voter une dérogation dans ces tarifs pour permettre donc au lycée Jean Moulin et au collège Charles Péguy d'utiliser sa infrastructure pour ce montant, et donc qui permettra à Monsieur le maire de signer directement la convention sur ce principe. Des souhaits d'intervention, des votes contre, abstention à l'unanimité. Et donc là, c'est vraiment la fin du marathon, si vous voulez bien vous acquitter de votre dixième et dernière délibération sur ce fameux remboursement partiel ou prorogation des abonnements suite aux mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 sur les activités sportives municipales. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, cette année, nous avons encore été énormément touchés par le Covid-19. Et donc, nos infrastructures ont dû fermer, ouvrir, refermer pour certaines activités, pas d'autres. Et donc, dans ce cadre, nous devions proposer à nos adhérents de pouvoir avoir soit des remboursements, soit des et de proroger leur abonnement. Donc, il a été pris le choix de se dire que sur l'activité piscine, il y aurait la possibilité de prolonger l'abonnement sur un an et ceux qui le souhaiteraient se faire rembourser. Au vu que l'activité piscine n'a ouvert que 3 ou 4 séances cette année, nous avons pris le parti de dire que c'était la totalité de l'abonnement qui était pris en compte. Sur l'autre partie musculation et tennis loisirs, étant donné que nous avons voté l'arrêt de cette activité, nous ne pouvons pas proposer de prolonger les abonnements. Donc nous proposons donc les montants de remboursement au prorata du temps d'utilisation possible cette année pour nos adhérents. Et je voulais juste en profiter pour aller dans le même sens que Monsieur le maire, remercier les administratifs, Madame Aude Mulot, Monsieur Benoît Charard, de tout le travail sur toutes ces conventions, sur toutes ces délibérations, tout le temps passé. Le mois de juin a été très très chargé pour eux. On a passé énormément de temps dessus pour arriver à des choses très claires. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Pas de souhaits. On passe au vote. Vote contre, abstention à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Voiseux. Vous allez pouvoir souffler. Nous allons rester dans une délibération de même nature, mais dans le monde culturel, puisque nous avons une délibération concernant des modifications tarifaires en raison du contexte de la crise sanitaire sur les activités du Conservatoire municipal. Monsieur Vanger, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le contexte sanitaire, effectivement, a perturbé les activités du Conservatoire municipal. Les cours de théâtre et de danse n'ont donc pas été dispensés dans leur intégralité, mais de manière très hétérogène. La commune souhaite prendre en compte cette période d'inactivité pour ne facturer que les cours dispensés. Les grilles tarifaires des activités culturelles municipales votées par le Conseil municipal du 3 juillet 2019 ne prévoient pas de dispositif de facturation partielle en cas d'annulation. Il convient donc de statuer au cas par cas selon les usagers de ces services. Il est donc proposé d'adapter la grille tarifaire 2020-21 au prorata des cours réellement dispensés, soit pour les élèves mineurs, 52% des séances d'interprétation théâtrale, cela concerne 46 élèves, et 50% des séances de danse, cela concerne 51 élèves. Il y a une petite erreur dans le texte, c'est pas 52 mais 51. Soit un montant total à facturer de 12 321 euros. Pour les élèves majeurs, il n'y a eu que 6 cours de danse et de théâtre. De plus, ils n'ont pas pu restituer leur travail au mois de juin comme ils en ont l'habitude. Il est donc proposé de ne pas facturer les usagers de ce service pour l'année 2021. La perte de recettes est de 2 423 euros. Ce décalage de recettes a déjà été intégré dans les prévisions budgétaires pour 2021. Merci, Monsieur Vanger, des souhaits d'intervention. Madame Testu. Oui, merci, Monsieur le maire. Étant partie prenante sur cette décision, je souhaiterais ne pas prendre part au vote. Souhait exaucé. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Si pas d'autres souhaits d'intervention, passe au vote. Des votes contre, des abstentions à la très très grande majorité, puisque Madame Testu ne prend pas part au vote. Merci.
Je vais donner maintenant la parole à M. Collins pour une délibération sur des exonérations partielles de pénalités de retard concernant le marché de travaux relatif à l'intervention sur la charpente du CTM. M. Collins. Merci M. le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc, concernant ce projet de délibération, nous allons voir en détail ce qui s'est passé concernant la toiture du CTM et notamment la proposition d'exonérer partiellement les pénalités de retard. Donc, concernant le marché relatif aux travaux de réhabilitation du centre technique municipal, le lot numéro 1, travaux de charpente, il avait été attribué à l'entreprise RG Concept par décision du 13 septembre 2018 et notifié le 27 septembre 2018 pour une durée de 2 mois. Or, le 26 novembre 2018, soit 2 mois après la notification des travaux, les travaux n'étaient pas terminés, mais l'entreprise a poursuivi malgré tout ses prestations, certes de façon discontinue, mais pour des raisons d'organisation interne, pardon, et de contraintes de chantier. Malheureusement, à partir du 14 janvier 2019, soit 3 mois et demi après la notification, il a été constaté que l'entreprise n'était plus du tout présente sur le chantier, et ce, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Et c'est pour ça qu'en date du 12 juillet 2019, soit 9 mois et demi après la notification des travaux, le marché a fait l'objet d'une décision de résiliation. Et la poursuite des travaux a été effectuée par une entreprise tiers, aux frais et au risque du titulaire. Concernant le décompte provisoire de liquidation du marché, il a été fait état de pénalités à appliquer sur celui-ci sur la base des constats d'activité ou d'absence de l'entreprise, tels que relatés dans les comptes rendus de chantier en application du cahier des clauses administratives particulières. Toutefois, étant donné que la prolongation du délai d'exécution des travaux n'a pas fait l'objet d'une contractualisation par avenant, le titulaire est donc entièrement responsable du retard du chantier. Et il encourt la totalité des pénalités calculées sur la période hors délai, soit du 27 septembre 2018 au 12 juillet 2019. C'est pourquoi il est proposé de décider de l'application partielle des pénalités conformément au tableau ci-dessous. Donc je vous le détaille. Première ligne, le retard du 27 novembre 2018 au 2 décembre. Monsieur Collins, oui, vous n'êtes pas obligé de détailler tout le tableau, sauf s'il y a des souhaits d'intervention particuliers. Mais voilà, ça fait l'équivalent de 186 jours pour un montant de 27 900 euros. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. C'est le moment d'en poser ou pas. Y a-t-il des souhaits de précision sur le tableau que je vous ai pour l'instant épargné, mais ça valait le coup. Donc, pas de questions, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Merci beaucoup, merci Monsieur Collins. Alors, nous allons basculer dans le monde du scolaire et réaborder un sujet que nous avions travaillé, je crois, lors du dernier conseil. Madame Siadoux, je vais vous demander d'évoquer la suppression du ramassage scolaire par car sur la desserte des écoles Perrault et Langevin. Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Donc, donc rapidement, hein, depuis 1996, donc, la commune avait mis en place un service de transport scolaire par car pour permettre à certaines familles qui étaient en limite de Versailles de pouvoir se rendre aux écoles, dans les écoles Perrault et Langevin. Donc, depuis quelques années, bon, il y a une tolérance qui avait été acceptée puisqu'il y a de nombreux élèves qui étaient scolarisés en dehors du périmètre et qui en bénéficiaient. Et on s'est rendu compte cette année qu'il y avait environ 70% des enfants domiciliés en dehors du périmètre qui utilisaient ce bus. La fréquentation réelle du bus est bien en deçà en fait du nombre d'enfants inscrits puisqu'on parle de 6 le matin et 4 l'après-midi. Donc le faible effectif d'élèves concernés par ce service, ses objectifs parfois contournés, son coût, son impact environnemental et la mobilisation bicotidienne du quart de la ville pouvant bloquer d'autres demandes, nous ont donc amené à considérer la mise en place d'un ramassage scolaire à pied comme une alternative intéressante pouvant répondre aux besoins réels d'accompagnement des familles du périmètre d'habitation d'origine. Donc, ce mode de ramassage scolaire appelé Pédibus permet aux enfants de rejoindre leurs écoles à pied dans les meilleures conditions de sécurité en répondant tout à la fois à leurs besoins d'exercice physique et au respect de l'environnement par le choix d'une mobilité douce. Donc, comme évoqué lors du conseil du 26 mai,
Donc on a testé ce dispositif entre le 3 juin, le 3 et le 25 juin pour 5 familles donc volontaires qui s'étaient donc inscrites à ce ramassage. On avait demandé aux familles de nous faire un petit retour là. On a 2 familles qui nous ont fait un retour. Le retour est plutôt positif. Les enfants étaient contents d'aller à l'école avec des animateurs et ça s'est plutôt bien passé. Quelques inquiétudes quant au climat, mais bon, quand il fait pas beau, on sort quand même de chez nous et donc je pense qu'on va arriver à trouver une solution. Mais on a déjà 4 enfants qui se sont déjà portés volontaires pour la rentrée. Donc, il est proposé de pérenniser cette expérimentation à partir du 2 septembre prochain, donc pour les familles domiciliées dans le périmètre. Donc, par conséquent, il est proposé de ne pas renouveler le service de ramassage par car desservant les écoles Perrault et Langevin à la rentrée 2021 et de mettre cette nouvelle amplitude horaire de fonctionnement du car à disposition d'autres demandes, notamment pour les sorties des écoles, parce qu'on en a vraiment. Un courrier d'information sera adressé par la commune au directeur des mobilités de surface Île-de-France Mobilité dans le cadre de la convention de délégation de compétences en matière de services spéciaux de transport public routier réservés aux élèves. Merci Madame Fiadou. Je vois une main se lever, Madame Alquier, et peut-être d'autres sous d'intervention. Madame Alquier, vous avez la parole. Oui, merci. Donc nous avons déjà eu un débat sur ce sujet lors du dernier conseil et nous étions rester ouvert à la solution parce qu'il existe effectivement des solutions de Vélibus dans un certain nombre de villes. Donc nous avons eu aussi quelques retours et donc nous sommes, suite à l'expérimentation que vous avez faite, nous sommes maintenant contre cette idée. La première raison, c'est que c'est quand même un service aux familles. Il y avait plus de 20 familles qui étaient concernées. Qu'elle soit exactement dans le périmètre ou pas, peu importe. Pour moi, c'est un service aux familles qui est très apprécié. La deuxième raison, c'est que j'ai eu un retour de difficultés pour certains enfants. Une enfant de 3 ans qui doit faire des centaines de mètres. Je pense, tôt le matin, parce qu'on a quand même pratiquement 1 km à certains endroits. Je pense que ça n'est pas raisonnable et ça n'est pas bien pour les enfants. L'autre raison, c'est que je pense que ça va nous faire perdre des élèves dans nos classes, enfin dans nos écoles. Et il avait été d'ailleurs évoqué le coût du bus. Je pense qu'on perdra beaucoup plus à devoir payer aux écoles extérieures à la commune le financement de ces élèves qui pourraient partir. Et enfin, je pense que ça n'est pas un argument de dire que ça empêche d'organiser des sorties des écoles. Je pense que ça n'est pas tous les jours. C'est une question d'organisation. Et il me semble, pour en avoir discuté avec quelques personnes, que ça n'a jamais vraiment empêché d'organiser des sorties. Donc, c'est une mauvaise excuse. Donc, sur le principe, nous étions d'accord sur l'idée du pédibus. Dans ce contexte et dans la configuration du chaînet avec les écoles, aujourd'hui, nous sommes contre. Je prends acte de votre position, sur lequel nous divergeons fortement, sur quasiment tous les points. Et un point que vous n'avez pas évoqué, j'en ai déjà fait part lors du précédent conseil, c'est l'iniquité de traitement entre les enfants des différentes écoles. Donc, moi, faire sortir un bus parce qu'il y a un enfant qui a un problème, je pense que d'un point de vue équité et service public, c'est juste pas possible. Et voilà. Et en termes de symbole, faire rouler ce bus-là à l'heure de pointe dans notre ville qui est déjà saturée, je pense que nous serons difficilement réconciliables sur cette analyse du dossier. Madame Le Ménet. Je note juste dans le rapport de présentation, il y a une phrase qui m'étonne un tout petit peu à propos justement de ce bus. Vous dites que grâce à ce bus, entre guillemets, de nombreuses familles bénéficient ainsi d'un moyen de garde d'enfants échappant à l'accueil du matin payant organisé dès 7h30 à l'école maternelle Charles Perrault. Donc si je comprends bien, votre équité aujourd'hui, c'est que tous ces petits bouts de chou qu'ils aient 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, soient à l'école dès 7h30 et que les parents payent bien l'accueil du matin. Voilà. C'est ce qui se passe dans toutes les autres écoles de la ville, Madame Le Ménet. Et puis, accessoirement, mettre son enfant pendant une heure dans un bus, voilà, moi, je trouve,
je serais parent, je ne le ferais pas. Voilà, oui, je vous le dis très clairement. C'est la réalité, c'est ce qu'on observe. Et je vous le dis, dans tous les autres quartiers de la ville, ce entre guillemets service n'existe pas. Donc si vous avez besoin de garder votre enfant à 7h30, il y a des services pour ça qui sont effectivement facturés. C'est ça les principes d'équité que j'évoquais tout à l'heure. Oui, donc effectivement, l'analyse que nous faisons de l'utilisation de ce bus, elle démontre qu'elle a été très largement détournée des objectifs initiaux, et c'est aussi ce qu'on veut faire cesser. Bon, donc je comprends que ce service public qui rendait service aux parents et qui évitait aux enfants de mettre leurs enfants quand même du matin jusqu'au soir, et aujourd'hui, vous voulez restaurer cette obligation d'aller à l'école à 7h30 et d'imposer des frais supplémentaires aux parents. Je vous laisse libre de votre analyse. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Pas d'autres souhaits d'intervention. On va donc passer au vote. Donc, vote contre et votre pouvoir. Donc, 7 votes contre, des abstentions à la majorité. Merci. Je vous laisse de nouveau la parole pour nous présenter donc la mise en place d'un pédibus concernant toujours la desserte des écoles Perrault et Langevin avec les règles générales d'organisation. Donc, le conseil municipal s'est proposé pour la suppression du ramassage scolaire par car desservant les écoles Perrault et Langevin à la rentrée 2021. Ce service gratuit prendra fin le 6 juillet 2021 au soir. Afin de permettre aux familles domiciliées à proximité des écoles Versaillaises, des Dauphins et Colonel de Bange de scolariser plus facilement leurs enfants à l'école Perrault ou à l'école Langevin, un service de ramassage à pied appelé Pédibus leur sera proposé à partir du 2 septembre. Donc, il concernera les familles domiciliées dans le périmètre de l'ancien service de ramassage par car, donc qui est pour le secteur de l'école maternelle Perrault entre la place de la Loi, la rue du Colonel de Bange, la rue du Maréchal de Latte de Tassigny, la rue du Plateau Saint-Antoine, la rue Julien Poupinet, la rue de la Selle et le boulevard Saint-Antoine. Et pour le secteur de l'école élémentaire Langevin, entre la place de la Loi, la rue du Colonel de Bange, la rue du Maréchal de Latte de Tassigny, l'avenue de Basseux et l'avenue du Maréchal Leclerc. Donc, comme on vient de vous dire, a eu une expérimentation entre le 5 et le 25 juin. Ce mode de ramassage à pied permet aux élèves de rejoindre leurs écoles dans les meilleures conditions de sécurité, comme on vient de le voir tout à l'heure. Donc, un formulaire d'inscription sera envoyé par l'accueil famille à l'adresse électronique des familles concernées ou par courrier postal à défaut d'adresse électronique, avec une information complète du service précisant les jours, les heures et les arrêts, ainsi qu'une autorisation parentale donnant le droit à une autre personne de retirer l'enfant à l'arrêt de pédibus sélectionné. Donc, le formulaire devra être retourné correctement renseigné à l'accueil famille. Donc, comme on l'avait vu la dernière fois, les responsables légaux de l'enfant devront attester, être assurés, s'engager à respecter leurs obligations, à faire respecter par leurs enfants les consignes données par les conducteurs du pédibus, à attendre avec leurs enfants à l'arrivée du groupe. Voilà, il y a un protocole spécifique. Et donc, selon l'effectif inscrit, un ou plusieurs accompagnateurs, animateurs ou agents de la ville assureront l'encadrement du convoi et la sécurisation du trajet matin et soir dans le respect du code de la route. Ils renseigneront une feuille de présence à chaque convoi qu'ils remettront à l'accueil famille pour contrôle et enregistrement. Accompagnateurs et enfants porteront des gilets jaunes de haute visibilité fournis par la ville. 2 points de rassemblement et 2 circuits fixes ont été établis. Ils sont détaillés en annexe du présent projet de délibération avec les horaires. Et une information sera communiquée à la commune limitrophe de Versailles. Et voilà. Et le pédibus, bien sûr, sera annulé en cas de mesures restrictives communiquées par la préfecture en cas d'orage, notamment vigilance orange ou de forts épisodes neigeux. Et donc, les familles seront bien évidemment informées par texto. Enfin, double information par texto et par mail. Et je voulais juste préciser que cette année, donc on vient d'avoir une cinquantaine de demandes de dérogation, que ce soit interne à la commune ou externe, sur lesquelles nous avons bien travaillé. Il faut savoir que j'ai dû donner un certain nombre de dérogations pour lesquelles je n'avais pas le choix, pour des enfants, des fratries qui étaient déjà scolarisées historiquement à l'école de Bange, donc là, de Bange ou au Dauphin. Donc là, je n'ai pas le choix, hein, puisque c'est le code de l'éducation qui nous l'impose. Par ailleurs, je n'ai accepté aucune dérogation donc de familles limitrophes de Versailles en leur proposant ce pédibus. Et voilà, donc aujourd'hui, si on a 40 enfants scolarisés à Versailles, il y avait un bus déjà. Donc, malheureusement, le bus n'est pas que ce problème-là. Il y avait une famille, notamment, qui avait demandé une dérogation, qui arrivait de Paris. Et voilà, il m'avait demandé la dérogation pour 2. Et puis après, ils m'ont dit, on a peut-être une place à Saint-Jean. Ils m'ont mis à Saint-Jean. Et puis pour 1. Et puis finalement, pour rien, alors que je n'avais même pas encore eu le temps de répondre à leur dérogation. Donc, les familles qui ont vraiment envie d'aller dans le privé, ils y vont. Et ce n'est pas une question de bus.
Merci beaucoup. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Le Ménet. Monsieur le maire, je constate quand même que vous avez une notion de l'égalité très fluctuante, puisque vous supprimez le bus pour des raisons d'égalité. En revanche, vous instaurez un pédibus dans un certain périmètre de quartier, toujours le même, maternelle Perrault et école élémentaire Langevin. Dans ce cas-là, soyez cohérent avec vous-même et avec vos propos dans ce cas-là, instaurez le pédibus sur l'ensemble du territoire du Chesnay pour maintenir ce principe d'égalité. On va dire que l'installation du pédibus vaudra expérimentation. S'il trouve son public, je vous promets qu'on évoquera l'extension du pédibus sur le reste de la commune. Ah bah, écoutez, là, je pense que c'est une réponse un peu dilatoire, monsieur le maire. Oh, la question, voilà. Elle était tout autant, madame Le Ménet. Y a-t-il des souhaits d'intervention autres ? Si pas de souhaits d'intervention, qui vote contre ? Donc 7 votes contre, des abstentions à la majorité. Merci beaucoup. Nous allons évoquer un sujet très intéressant, qui était au cœur de notre campagne, puisque c'était une des manières de redonner la parole aux citoyens. Là, en l'occurrence, ce sont les jeunes citoyens. Vous savez qu'on avait fait le choix de donner la priorité à la mise en place des conseils de quartier. J'en profite pour remercier M. Consdorf du très gros travail qui a été fait l'an dernier pour les mettre en place rapidement, mais nous avions évoqué le souhait de mettre en place des conseils municipaux de jeunes, comme il en existe dans beaucoup d'autres communes. Madame Charpentier, c'est à vous qu'il revient le soin de présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Alors, le but de ce conseil municipal des jeunes est de sensibiliser les jeunes au fonctionnement d'une commune, à la vie politique et à la citoyenneté, et de les faire participer à la vie locale. Le cadre juridique, donc la création d'un conseil est prévu par l'article L1112, je vais vous faire grâce de l'article complet. En fait, les objectifs, c'est de permettre aux jeunes, aux enfants et aux jeunes de formuler des propositions d'action pour leur collectivité, d'exprimer leurs idées et réfléchir aux améliorations pour le territoire. Enrichir la politique jeunesse avec les propositions des jeunes conseillers, obtenir leur point de vue sur divers dossiers de la collectivité, déplacements, cadre de vie, offre globale de loisirs, sport, culture. Exercer enfants et jeunes à une citoyenneté active et leur donner plus de responsabilités et d'autonomie afin d'assurer un lien avec les programmes scolaires d'instruction civique et morale. Un enseignement sera nommé par le directeur de chaque établissement scolaire concerné comme référent du projet. Il y a également un référent au sein du service jeunesse pour ce conseil municipal des jeunes, car c'est un énorme travail. Et en fait, ils se sont beaucoup appuyés sur la ville de Guyancourt. Et nous sommes allés avec Madame Sialdou voir les directeurs des écoles et publiques et privées au mois de juin. Donc tout le monde est au courant. Donc le calendrier prévisionnel. Donc aujourd'hui, il s'agit de créer le conseil municipal des jeunes du Chesnay-Roquencourt. En septembre, il y aura une information auprès de la population, ensuite une information auprès des élèves pour expliquer les élections. Ils déposeront leur candidature au mois d'octobre avant les vacances de la Toussaint et la campagne électorale débutera juste au retour des vacances. Élection le 26 novembre et en décembre, installation du premier conseil municipal des jeunes. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'approuver la création du conseil municipal des jeunes, d'en approuver le règlement qui est en pièce jointe et également de désigner le président. Donc pour ce faire, il faudrait voter à bulletin secret si vous en avez très très envie. Sinon, on pourrait faire ça à Malbeuf, monsieur le maire. Je ne sens pas d'avis particulier pour voter à bulletin secret, donc on va dire que l'Assemblée est OK pour voter à main levée. Et nous pensons que ça aura plus de poids auprès des jeunes si c'est monsieur le maire qui préside le conseil municipal des jeunes. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Ah oui, pardon. Je n'en vois pas. Bon, ça tombe bien. Donc on va voter à main levée. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Contre, des abstentions à l'unanimité. Donc je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Et on va peut-être quand même voter pour la délib. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur la délib ? Vote contre ? Des abstentions ? Non. Donc voilà, c'est parti pour ce premier. Merci beaucoup. Et donc rendez-vous à l'automne pour ce premier conseil municipal des jeunes de la mandature. Vous allez conserver la parole, madame Charpentier, puisque vous allez nous présenter le dispositif d'aide financière à l'accès aux activités culturelles et sportives, le PASS+, avec une adhésion. Allez-y.
Alors, pour le Conseil municipal des jeunes, je voulais remercier Julien Génin et tout le secteur jeunesse, car ils ont énormément travaillé, surtout pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Pour cette délibération, là, c'est Sylvain Aubé et la finance, parce que vous allez voir, elle est très technique. En fait, ce passe plus, l'objectif, c'est d'inciter les jeunes à la pratique d'activités sportives et culturelles. Et du coup, c'est les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui ont créé ce passe plus. Il s'agit d'une aide financière de 80 euros et 100 pour les élèves boursiers qu'ils peuvent dépenser auprès d'organismes affiliés passe plus. Il y a déjà des associations sportives dans la ville qui le sont. Ça peut être les cinémas, les piscines, les centres de loisirs, etc. Et c'est valable pour les jeunes domiciliés et ou scolarisés dans les Yvelines et ou les Hauts-de-Seine. Ce passe plus permet de bénéficier également des bons plans, des places gratuites, des réductions, des invitations. C'est un petit peu complexe. Dans ce passe plus, il y a deux porte-monnaies, un pour la culture et un pour le sport, et c'est à eux de déterminer ce qu'ils veulent faire, si c'est moitié-moitié ou pas. Donc la procédure d'inscription est entièrement dématérialisée. Il faut qu'ils aillent sur le portail passeplus.fr. Ils créent un compte, ils déposent des documents avec une photo et si c'est OK, ils reçoivent leur carte et leur porte-monnaie électronique sera créditée donc à validation de la demande. Voilà. Après, ils ont trois moyens pour bénéficier de ces avantages. Le jeune remet à l'organisme un ticket passeplus à valider par tranche de 10 euros de ce porte-monnaie. Il peut faire aussi un virement et pour les bons plans, il a juste à présenter sa carte. Voilà. Et tous les 15 jours, le service Passe Plus possède au remboursement par virement des transactions. Donc l'opportunité pour la commune d'adhérer au dispositif et de devenir un organisme affilié, c'est d'accepter comme moyen de paiement les transactions effectuées à partir du Passe Plus pour régler les participations aux activités à caractère culturel et sportif proposées par la commune. Donc l'idée, c'est également de renforcer la visibilité de la commune auprès des jeunes et de leurs familles qui vont consulter la page Passe Plus et qui vont voir que la commune du Chesnay-Rocancourt fait partie des partenaires. Voilà. Et donc pour la commune, il y a les abonnements, enfin les activités concernées sont les abonnements et animations proposées par la bibliothèque, les ateliers sportifs et culturels du service jeunesse, les activités du conservatoire culturel, l'accès à la piscine et aux stages sportifs. En termes de procédure, c'est hyper technique et voilà, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Il y a l'affiliation au dispositif Passe Plus, qui y a donc l'autorisation qu'on attend de cette délibération. Puis après, ils vont créer un compte au sein de l'espace dédié aux organismes affiliés. Et ensuite, le service Passe Plus va rembourser la commune des transactions, puisque c'est la commune qui va avancer. Et donc, ce Passe Plus va devenir un organisme tiers payant, un peu comme la CAF ou le CESU. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc, il fallait un petit peu de temps, et ça ne sera mis en place qu'au 1er septembre 2021. Voilà. Il est donc proposé au Conseil d'adhérer au dispositif Passe Plus en vue d'être un organisme affilié. Je pense que vous les avez tous perdus. Oui, c'est possible. Petit côté parcours du combattant. Mais tout était important, donc il a fait. Mais nous n'en doutons pas. Y a-t-il des souhaits d'informations complémentaires, Monsieur Voiseux? Juste pour information, ce système fonctionne très très bien. On a pu l'expérimenter avec les associations sportives pendant toute l'année, et les retours sont très très bons sur le fonctionnement, et donc c'est vraiment positif. Merci. Si pas d'autres souhaits d'intervention, on passe au vote, des votes contre, des abstentions, à l'unanimité, merci. Et on va rester dans les parcours, mais avec un atelier sportif qui porte son nom là, Madame Charpentier, je vous laisse nous en présenter les règles générales d'organisation et la tarification. Donc quand ils auront leur carte Passe Plus, ils pourront payer l'inscription au parcours. Donc parcours, c'est un art du déplacement acrobatique. C'est donc franchir des obstacles urbains ou naturels par des mouvements rapides et agiles. Voilà, et si possible, sans l'aide de matériel. Donc, il y a eu un gros succès de cette activité lors de Sport Aventure et à l'escale. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes Chesnay-Courtois qui pratiquaient cette discipline, mais en autonomie, et ça pouvait être dangereux, car ils n'ont pas tous conscience des consignes de sécurité. Il est donc proposé de mettre en place à la rentrée prochaine un atelier parcours pour les ados, encadré par des professionnels de l'association Culture Parcours,
avec laquelle la ville a déjà travaillé. Et donc, il y aurait 12 places proposées pour les 8-10 ans, 12 places pour les 11-17 ans. Les ateliers seraient le vendredi soir. Ce serait un abonnement annuel avec facturation mensuelle. Il y aurait 31 séances par an. Et vous avez la grille tarifaire de l'atelier parcours qui serait, en fait, comme les autres activités, calculée sur le principe du taux d'effort. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame Charpentier. Madame Le Ménier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Si je regarde sur Wikipédia, sur parcours, je vois le parcours est considéré comme un sport extrême à cause des risques de blessures en environnement extérieur, mais surtout à cause de l'image spectaculaire véhiculée par les médias. Donc, moi, je me pose quand même la question, vous me dites, ces jeunes ont déjà font déjà ce sport, parcours, donc il faut leur apprendre. Moi, je pense que de généraliser des séances comme ça de parcours et de leur apprendre, c'est une incitation quand même de ces jeunes à préempter, j'allais dire, l'espace public et de faire des activités parfois gênantes pour les piétons. Ça peut être Dixit, Wikipédia, générateur d'insécurité et de désordre. Donc, qu'on le fasse dans un lieu naturel, effectivement, qu'on les emmène dans la campagne, très bien. Inciter ces jeunes et imaginer qu'il y a un accident, monsieur le maire, je pense que vous en porterez la responsabilité. Ça, j'ai pas de sujet sur la responsabilité. Alors, je pense qu'on, ou bien l'explication de Mme Charpentier n'a pas été claire, mais il me semble qu'elle l'a été. Ces jeunes ne nous ont pas attendus pour pratiquer cette activité qui est très présente sur les réseaux sociaux, des images spectaculaires, n'importe quel enfant qui se connecte. Aujourd'hui, c'est pas très... Je peux terminer, Madame Le Ménier ? Merci. Ouais. Je vous donnerai la parole après. Voilà, le sujet, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal. Aujourd'hui, la pratique, cette activité, et elle est présente sur les réseaux sociaux. La proposition qui vous est faite, c'est au contraire d'encadrer cette activité, d'en limiter les risques. Voilà. Après, vous pouvez proposer, mais il faut aller au bout de votre logique et d'interdire cette activité. Et donc là, il faudra embaucher beaucoup de policiers municipaux pour empêcher les jeunes de faire ça. Donc je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'effectivement, ce qui vous est proposé, ça permet de limiter les risques. On pense ce qu'on veut de cette activité. Elle existe aujourd'hui. Elle est pratiquée de manière sauvage, on va se le dire gentiment. Et donc l'idée, c'est de proposer un cadre qui permette de limiter au maximum les risques. C'est rien d'autre que ça. On n'a pas dit qu'on allait faire la promotion de cette activité. Donc, monsieur le maire, on peut avoir un avis inverse. C'est-à-dire que vous allez inciter des jeunes encore plus à pratiquer ce sport. Et maintenant, le fait de dire on peut pas interdire, si vous avez aucune autorité dans votre ville, le jour où les jeunes décideront d'aller sur tous les toits de la ville, il faudra peut-être les encadrer pour les aider à monter sur le toit sans incident. Donc, je trouve que votre argument est vraiment très peu flatteur pour vous. Excusez-moi. Eh bien, je vous en prie, je vous laisse assumer pleinement votre position sur le sujet, mais la mienne est assez claire. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Madame Bigère. Oui, en fait, je voulais simplement dire que de toute façon, ce sont les parents qui inscrivent les jeunes à une activité et que donc j'imagine que vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Si les parents effectivement décrètent qu'ils ne veulent pas que leur gamin aille à ce type d'activité, ben, j'imagine que vous abandonnerez tout simplement cette activité. Non, mais je peux ajouter que l'activité existe déjà et elle remporte un énorme succès. C'est pour ça qu'on la propose. Ce que je veux dire, bien sûr, elle existe, mais pas de façon encadrée. Elle n'existe pas de façon encadrée. Donc si, elle existe déjà. Sur la ville ? Oui, pendant les vacances. Ah, d'accord. Voilà, et c'est pour ça que c'est la même association qui va travailler. Ok, voilà. Ça, honnêtement, je n'avais pas compris. Non, on étend le périmètre. Madame Le Ménier, lisez la délibération. Ben, c'est vous qui êtes extraordinaire. Et voter, qu'on vous met au courant, et on vous dit, c'est déjà fait. C'est deux choses différentes. C'est comme pour vos boîtes à pain, là, pour les vélos. On nous fait voter, mais ils sont déjà achetés et commandés. Mais c'est ça, la démocratie, c'est ça, d'être proche des Chénésiens. Voilà, bravo. Merci de votre intervention, Madame Le Ménier. Bien, sur ces considérations, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Pas de vote contre, étonnant. Si, vous avez... C'est bien. Donc, il y a un vote contre. Des abstentions à la très, 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 très grande majorité. Merci beaucoup. Délibération suivante.
Pas que je me trompe pas, c'est toujours vous, Madame Charpentier, pour la labellisation information jeunesse. Merci, Monsieur le Maire. Donc, en 95, il y avait un bureau d'information jeunesse qui a été remplacé par un point d'information jeunesse qui était à la bibliothèque. Elles étaient labellisées information jeunesse par la direction départementale de la jeunesse et des sports, mais ils ont retiré le label car il fallait des locaux dédiés. Comme les critères ont changé, que c'est centré plus sur les usagers, c'est plus quali en fait, la ville souhaiterait à nouveau obtenir ce label. L'objectif est de renforcer l'ancrage territorial de l'information jeunesse, d'accompagner la transition numérique des structures, de développer la participation des jeunes aux politiques publiques qui les concernent, car on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas tout ce dont ils avaient droit. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti du diagnostic de territoire. La demande de la labellisation est une démarche volontaire. Le label Information Jeunesse est une marque de qualité accordée par l'État à un espace jeunesse en lui reconnaissant sa capacité à dispenser une information généraliste fiable et de qualité. Il permettra donc l'accès à l'offre de services Yvelines Info Jeunes, mais aussi la formation des animateurs. Il va permettre également l'utilisation des outils numériques et l'accès aux animations départementales, régionales et nationales du réseau. Voilà. Ce label est accordé pour une durée de 3 ans. Et voilà. Et donc, cette demande de labellisation concernerait l'accueil jeune de l'Escale, sous réserve d'un réaménagement des locaux afin d'avoir un petit espace dédié ou d'un nouveau lieu d'accueil pour les 16-25 ans. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voudrait, c'est obtenir cette labellisation. Très bien. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette proposition de labellisation ? Madame Bilger. Je voulais juste apporter un complément d'information. C'est effectivement en 2005, le point information jeunesse est parti parce qu'il fallait des locaux, mais surtout parce qu'il n'attirait plus aucun jeune qui partait du principe qu'avec l'ère d'Internet, il n'y avait plus besoin de se déplacer. Donc, moi, j'ai pas de problème avec une labellisation. Le tout est de savoir si ça va avoir une utilité. Et c'est plus ça qui me semble intéressant, c'est tout. Et voilà. En fait, il y a un vrai réseau derrière. Et les animateurs ont déjà été formés. Là, on suivi les réunions d'information et on trouvait que ça avait un réel intérêt. Voilà. Donc, on verra. C'est pas très compliqué, tout à fait. En fait. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Des votes contre ? Abstention ? À l'unanimité. Merci beaucoup. On passe à la délibération 29 concernant le service d'appui numérique et une convention entre le Centre communal d'action sociale et la commune du Chesnay-Rocancourt. Monsieur Consdorf, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Le numérique prend une place croissante dans nos vies et tout le monde n'est pas nécessairement très à l'aise avec les outils informatiques, les supports et les démarches à réaliser en ligne. Le CCAS et la commune se sont engagés largement ces dernières années pour favoriser l'inclusion numérique en mettant en place des permanences avec un accompagnement individuel, des ateliers et l'existence d'un réseau d'espaces publics numériques. Je tiens d'ailleurs à saluer les travaux des équipes sur ce point et leur engagement en fait pour nos administrants en difficulté. Nous souhaitons aller encore plus loin en ce sens et c'est pourquoi la commune et le CCAS ont candidaté à l'automne 2020 dans le cadre du plan France Relance à un appel à manifestation d'intérêt pour l'octroi de conseiller numérique. Au final, c'est un poste unique qui a été accordé et celui-ci relèvera du CCAS. Concrètement, le conseiller numérique sera amené à travailler dans les équipements de la ville et du CCAS et c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser formellement ce qui jusqu'alors était informel avec la création d'un service d'appui numérique. Ce service coordonnera toutes les actions de la ville visant à sensibiliser, soutenir et accompagner nos administrés dans l'usage du numérique. Ce service est en commun à 2 personnes morales, donc la ville et le CCAS. Il convient de régler par convention les modalités de fonctionnement et c'est l'objet en fait de cette délibération et de la convention jointe en annexe. Merci M. Consdorf. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhait d'intervention, des votes contre, abstention à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Ribert, je vous donne la parole pour une délibération concernant l'instauration du forfait mobilité durable au profit des agents publics de notre commune. Monsieur le maire, merci. Effectivement, le forfait de mobilité durable est une des mesures phares de la loi d'orientation des mobilités, dite LOM, du 24 décembre 2019. L'objectif de cette loi est d'encourager le recours à des moyens de transport moins polluants, en prévoyant notamment des mesures pour les entreprises afin de favoriser des trajets plus écologiques pour leurs salariés.
En l'espèce, nous souhaitons donc mettre en place ce forfait de mobilité durable. Pourront bénéficier les agents de la collectivité, qu'ils soient fonctionnaires, stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit public. Ne pourront prétendre les agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ou d'un véhicule de fonction ou d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail, ainsi que les agents transportés gratuitement par leur employeur. Pour en bénéficier, l'agent devra avoir utilisé pendant au moins 100 jours sur l'année civile l'un des deux moyens de transport suivants pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, soit un vélo ou vélo électrique, soit du covoiturage. Le nombre minimal de 100 jours est à ramener au prorata du temps de travail à proratiser en cas d'arrivée ou de départ de l'agent en cours d'année. Évidemment, pour bénéficier de ce versement, l'agent doit déposer avant le 31 décembre, une déclaration qui est sur l'honneur, il n'y aura pas évidemment de vérification quotidienne de cette utilisation, certifiant l'utilisation de l'un ou l'autre des moyens de transport ci-dessus. Le forfait de mobilité durable annuel d'un montant de 200 euros est ensuite versé sur l'année N plus 1. Il convient de souligner que le versement de ce forfait n'est pas cumulable avec le remboursement mensuel des frais de transport public ou d'abonnement à un service public de location de vélo. Ainsi, par exemple, un agent qui combinerait un déplacement en train et avec son vélo personnel devra choisir entre le remboursement partiel de l'abonnement de train ou le forfait de mobilité durable. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de soins d'intervention, des votes contre, abstention, à l'unanimité, merci. La prochaine délibération concerne des dispositions applicables aux agents de la commune et du CCAS de la commune historique du Chesnay concernant le temps de travail et nécessite quelques éléments d'explication. Cette délibération fait suite à une action en justice engagée par le syndicat Force ouvrière de la ville contre la commune concernant le non-respect de l'attribution de jours de fractionnement aux agents de la ville et des divergences de vues sur le décompte du jour de congé au titre de la journée de solidarité. Donc, je ne vous refais pas l'historique complet, mais néanmoins quelques dates importantes à retenir pour la compréhension de cette délibération et que je vais vous rappeler en faisant l'historique. Donc, le 21 février 2018, le syndicat FO a demandé par requête au tribunal administratif de Versailles d'annuler une décision de rejet implicite d'une demande du 19 octobre 2017, cette date est importante dans la compréhension de cette délib, tendant d'une part à l'attribution des jours de fractionnement aux agents du personnel de la ville historique du Chesnay et d'autre part du décompte d'un seul jour de congé au titre de la journée de solidarité. Il a également demandé d'enjoindre à la commune du Chesnay de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'agissant de l'attribution des jours de fractionnement et du décompte des jours de congé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement en date du 7 février 2020, donc beaucoup plus récemment, le TA de Versailles a décidé d'annuler la décision de rejet implicite du 19 octobre 2017, mais il a en revanche rejeté la demande d'injonction au motif qu'entre la date du recours et celle du jugement, le conseil municipal de la commune nouvelle avait adopté lors de la séance du 3 juillet 2019, ceux qui étaient là s'en souviennent, un nouveau protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail à effet du 1er janvier 2019, celui-ci ayant pris en compte les jours de fractionnement et de solidarité auxquels avaient droit les agents. Aucune des parties n'ayant fait appel de ce jugement, il est donc devenu définitif. Et par courrier du 6 octobre 2020, le syndicat FO enjoint la commune d'exécuter ce jugement. Que faut-il entendre par l'exécution de ce jugement ? La période courant à partir du 1er janvier 2019 a été corrigée par le biais du nouveau protocole d'accord qui a été voté par le Conseil et qui prend d'une part compte des jours de fractionnement et d'autre part décompte autrement les effets du jour de solidarité. En outre, le tribunal et la commune sont liés par l'objet de la demande et la période qu'elle vise. Celle-ci, je l'ai indiqué, est datée du 19 octobre 2017. C'est dans ce cadre que le tribunal a, par courrier du 14 mai 2021, demandé à la commune de justifier de la prise d'une décision concernant l'ouverture des droits au congé de fractionnement et à la prise en compte de la journée de solidarité pour les agents pour la période du 19 octobre 2017, donc le début de la procédure, jusqu'au 31 décembre 2018, puisqu'à partir du 1er janvier 2019, la délibération que nous avons passée au tout début de la vie de la commune nouvelle couvre cette période. Dans ces conditions, la mise en œuvre de l'exécution totale du jugement implique pour la commune de régulariser la situation des agents en poste concernés s'agissant de cette dernière période. La proposition mise au point par la ville et présentée aux représentants de Force ouvrière le 16 décembre 2020 est la suivante. Les agents en fonction dans la commune historique du Chesnay du 1er janvier 2017 bénéficieraient d'un crédit supplémentaire de 6 jours.
Pour ceux arrivés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, il y aurait lieu de définir des droits au prorata en fonction de la date d'arrivée. Bien que la demande du syndicat Force ouvrière n'ait été faite que pour les seuls agents de la ville du Chesnay, et que le jugement du tribunal administratif ne porte que sur les agents de la commune historique du Chesnay, la commune souhaite saisir cette occasion pour faire bénéficier ces mesures aux agents du CCAS du Chesnay. Concernant la mise en œuvre de cette proposition, nous tenons à informer les membres du conseil municipal que cette proposition n'a pas reçu l'accord du syndicat Force ouvrière à l'initiative du recours contentieux qui a introduit le 24 décembre 2020 un recours au tribunal administratif portant demande à l'administration d'exécuter une décision. Ce recours est actuellement toujours en cours d'instruction et pendant ce temps, des agents partent en mutation ou en retraite sans que le crédit proposé en décembre ait pu être mis en œuvre en absence de délibération. Toutefois, le tribunal a par courrier du 14 mai dernier invité la commune à justifier de l'adoption de la nouvelle décision susvisée pour la période courante du 19 octobre 2017 au 31 décembre 2018. C'est ainsi qu'il est proposé de mettre en œuvre par délibération concordante du conseil d'administration du CCAS, qui a voté cette délibération à l'unanimité, et du conseil municipal de la ville du Chesnay-Rocancourt, la solution susvisée, répondant à l'invitation du tribunal, solution qui était déjà présentée en décembre dernier. Donc j'espère que j'ai été aussi clair que possible. Si vous avez des souhaits d'intervention, c'est le moment. Monsieur Gors. Juste, si cette, ceci est mis en œuvre, est-ce qu'on a une idée de du coût engendré par sa mise en œuvre ? Est-ce qu'on a un peu de... Parce qu'on en avait parlé lors de la commission... Et on n'avait pas pu avoir d'informations. Est-ce qu'on a davantage... Monsieur Soleil va vous... Oui, ce sera sans doute plusieurs centaines de kilos euros par an. Mais ça va être du temps. Après, voilà, on peut le monétiser. Parce mais deux, globalement, ce sont des jours de congé en plus. J'avais compris qu'il y avait deux choses. Il y avait des jours en moins, puisque les gens devaient récupérer des jours. Et donc, on avait un problème de production en moins, si je puis dire. Et puis, éventuellement, des gens pour lesquels il pouvait y avoir des impacts financiers, pour certains qui seraient déjà partis, qui auraient déjà quitté la commune. Je ne pense pas qu'il y ait de sortie d'euros sonnante et trébuchante. On va accorder des jours de congé, donc on va accréditer des compteurs congés. Donc à un moment, bien évidemment, on peut valoriser, c'est des journées qui seront payées et pas travaillées. Mais sauf erreur de ma part, Sylvain, vous m'arrêtez si j'ai des bêtises, on va pas signer de chèque, sortir de l'argent, on va créditer des... Et pour les gens qui sont partis à la retraite ça, après, juste, tu vois, entre... La question vaut effectivement pour la manière dont on régularise le cas des agents qui seraient partis en retraite entre-temps, mais... Entre deux, des personnes qui seraient parties en cours entre les deux. Donc en fait, les personnes qui sont parties, on n'a pas de possibilité technique aujourd'hui pour les rembourser. Et c'est une vraie problématique. Et même aujourd'hui, ceux qui partent en retraite, là, ne pourront pas bénéficier du dispositif. C'est la raison pour laquelle, en fait, on veut le acter la partie qui nous paraît nous cohérente, c'est que pour les gens qui partent actuellement en retraite, même dans les mois à venir, alors qu'ils ont été pour le coup lésés à un moment donné, ils puissent bénéficier de ces jours. Et pour être complètement transparent, puisque nous avons présenté cette délibération au comité technique devant le syndicat Force ouvrière, nous avons reçu l'aval du syndicat Force ouvrière pour présenter cette délibération, parce qu'on les a rassurés sur le fait que ça n'altérait en rien les autres démarches qu'ils avaient engagées au tribunal. C'est globalement une proposition qui est plutôt gagnante pour les agents, sauf si on ne la vote pas, et notamment pour le cas que vous évoquez, les agents qui partiront en retraite, il n'y a finalement pas de moyen de rattraper ça, donc ça couvre une période relativement courte, mais je pense que c'est une proposition qui a été travaillée et qu'on souhaite voir validée ce soir. Oui, s'il vous plaît, si je comprends bien, il y a toujours un recours en cours. Donc ce n'est que quelque chose de temporaire. Ça peut encore évoluer si jamais la décision de justice... Ça règle le sujet de la période à laquelle la démarche a été engagée par le syndicat Force ouvrière. La vision sur l'antériorité du sujet, nous ne la partageons pas, mais vous savez que le droit, on peut avoir des visions différentes. Donc il y a des avocats qui sont là pour aider leurs clients, et puis à un moment, il y a un juge qui va rendre un jugement. Nous, notre lecture...
c'est qu'à un moment, la procédure a démarré au 19 octobre 2017, c'est formel. Il y a un jugement qui a été rendu, on applique le jugement, on a pris en conseil municipal des mesures pour corriger ce qui devait l'être à partir de 2019. Il y a un laps de temps entre octobre 2017 et début 2019 qu'il nous faut corriger. Soit on convient voilà, d'un accord et donc le jugement a été validé, maintenant il faut qu'on le mette en œuvre avec une délibération, c'est ce que nous faisons. Soit on ne fait rien et finalement on risque de léser une partie de nos agents sur cette période-là. Voilà. Donc c'est à la fois pas rien, 6 jours de congé par agent, je suis effectivement bien conscient que si on les monétise, c'est pas complètement anodin. Après, c'est juste l'application de la loi. Hein. Donc voilà, on va se dire qu'il ne devrait pas y avoir non plus trop de débats. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Écoutez, merci pour les agents qui pourront profiter de ces mesures, notamment ceux qui vont partir en retraite. Je reprends mes petites lunettes et le cours des délibérations et je vais passer la parole à Madame Théminides pour la liste des emplois ouvrant droit à un logement de fonction. Madame Théminides. Oui, c'est pas la bonne délibération. C'est pas la bonne délibération. À l'affichage, pardon, à l'affichage, 32. Excuse-moi. Voilà. Cela dit, ça ne m'empêche pas de continuer ou de commencer plutôt, puisque je ne vais pas lire les 3 ou 4 pages de la délibération. Je vais vous faire une petite synthèse. Donc, pour vous dire que dans chacune des communes historiques, il existait un tableau des logements de fonction qui évoluait par délibération successive. Dans ce tableau, on identifiait un logement avec toutes ses caractéristiques, donc l'adresse, la surface, nombre de pièces, etc., qui était attribué à une fonction. Cette mise à disposition intervenait selon 2 régimes, la nécessité absolue de service ou bien l'utilité de service. Dans le premier cas, le logement de fonction pouvait être accordé gratuitement, et dans le second cas, il y avait une perception d'une redevance. Avec la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019, il revient donc à l'organe délibérant d'adopter le tableau des logements de fonction de la commune nouvelle. Cela pourrait sembler très simple, il suffit de fusionner 2 tableaux. Mais non, bien sûr, c'est jamais simple. La commune historique du Chesnay n'avait pas encore mis en œuvre le décret 2012-752 du 9 mai 2012 qui portait réforme des concessions de logement des agents de l'État. Ce décret, par un principe de parité, s'impose aux agents de la fonction publique territoriale dès lors que les nouvelles dispositions applicables aux agents de l'État sont moins favorables que celles dont continueraient à bénéficier des agents de la fonction publique territoriale. Et c'est le cas, puisqu'il y a 2 régimes de concession de logement qui ont été définis ou modifiés, on va dire. Donc le régime de nécessité absolue de service pour lesquels il n'est plus possible à l'Assemblée délibérante, donc nous, d'accorder la gratuité de l'eau, du gaz, de l'électricité, en plus de la gratuité du logement. La concession pour nécessité absolue de service s'applique lorsque l'agent ne peut pas accomplir normalement son service sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité. Ce qu'on vous propose donc, c'est, afin de tenir compte également de la disparité des logements, d'avoir des charges locatives afférentes au logement qui seront calculées sur la base d'un forfait au mètre carré et qui seraient révisables annuellement au 1er octobre. Donc il n'y a plus de gratuité, on va dire, de ces charges locatives. Le second cas, c'est la convention d'occupation précaire avec astreinte, la COPA, qui est un régime plus restrictif que l'antérieur. Ce régime est accordé à l'agent qui est tenu d'accomplir des fonctions nécessitant la réalisation d'astreintes. À ce moment-là, l'agent verse une redevance qui est égale à 50% de la valeur locative du logement, dont on va parler dans la délibération suivante, et il règle également l'ensemble des charges locatives afférentes à son logement. Donc, la présente délibération a pour objet de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué pour chacun de ces 2 régimes, donc NAS ou COPA, et que vous avez en annexe. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame Théminides. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhait d'intervention. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Est-ce que M. Ribert est dans la salle ou pas ? Donc on va dire que M. Ribert ne prend pas part au vote. Et cette délibération est adoptée à la très grande majorité. Merci. On va passer à la délibération 33. C'est toujours pour vous, Mme Théminides. Donc avec les modalités de fixation de la valeur locative des logements communaux et du montant des charges locatives imputables à l'occupant hors du régime des concessions par nécessité absolue de service. On a vu tout à l'heure, merci. Donc l'objectif général de la délibération, ça consiste à apporter de la transparence, de la lisibilité et de l'équité dans la gestion du parc privé de logements de la commune. Donc 5 points sont traités, avec lorsque c'est nécessaire, les modalités de calcul d'une part et les modalités d'indexation annuelle d'autre part.
Je vais donc évoquer successivement les régimes d'occupation, la valeur locative du logement, les charges locatives, les réparations locatives et les modalités de facturation. Concernant les régimes de mise à disposition, ils sont au nombre de 3. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la COPA, la convention d'occupation précaire avec astreinte. Les agents qui bénéficient de ce régime de concession vont bénéficier d'un abattement de 50% de leurs redevances. On a ensuite un deuxième dispositif qui est la convention précaire pour la durée de l'emploi. Pour des personnels dont il est jugé utile pour la commune qu'ils soient logés sur place, ils bénéficient alors d'un abattement de 15% en raison de la précarité de l'engagement. Et enfin, la convention précaire et transitoire pour des agents ou des tiers pour répondre à un besoin ponctuel de logement de courte durée. Ça peut être en attente de relogement ou en attente de l'attribution d'un logement social ou encore pendant des travaux, par exemple. Deuxième point, c'est la modalité de définition de la valeur locative du logement qui va servir de base au calcul de la redevance selon le type de convention. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les calculs, mais nous sommes basés sur le référentiel du secteur locatif social utilisé par les bailleurs pour déterminer les loyers de leur parc de logement en définissant un prix du mètre carré. En effet, l'ensemble des logements déjà a été remesuré pour connaître avec précision la surface utile et la valeur retenue aujourd'hui est calée sur le plus 33 de la zone 1 bis, à savoir 9,30 euros du mètre carré. Cette valeur évoluera, cette valeur est communiquée tous les ans et donc on pourra l'utiliser, cette valeur de référence, pour indexer ses redevances tous les ans. Troisième point, les charges locatives. Donc le principe de base, bien sûr, consiste à ce que l'occupant règle directement ses consommations du fluide en souscrivant personnellement son abonnement auprès du fournisseur de son choix. C'est valable pour l'eau ou l'électricité ou le gaz. Par exception, parce que certains logements ne disposent pas de dispositifs de comptage, par exemple, ou d'abonnement individuel. Donc, lorsque cela n'est techniquement pas possible, des modalités sont arrêtées dans la délibération pour définir soit le volume, soit le prix. Et bien sûr, en faisant le volume fois le prix, on obtient la facture arrivée. Et ces charges locatives seront indexées annuellement également le 1er octobre. Plus rapidement encore, donc les réparations locatives. La délibération a pour objectif de faire référence au décret 87-712 du 26 août 1987 qui fixe la liste des réparations qui sont à la charge de l'occupant et non du propriétaire, ce qui permet de clarifier le rôle des uns et des autres. Et enfin, les modalités de facturation qui ne sont pas modifiées, mais qui sont explicitées, c'est-à-dire que les redevances sont payées à un terme à échoir et que les charges font l'objet, bien sûr, d'appels mensuels avec une régularisation annuelle au 1er octobre également. Pour terminer, je tiens à préciser qu'au-delà de notre volonté de disposer de règles claires et écrites, nous sommes attentifs aux changements que cela peut représenter pour les occupants. Le point sensible, bien sûr, est l'évolution du montant de la redevance mensuelle, qui peut se cumuler avec un effet de changement de régime d'occupation. Les simulations que nous avons effectuées conduisent à des montants de redevance pour la plupart en baisse pour les occupants, ou en hausse dans la limite d'une cinquantaine d'euros maximum pour quelques occupants. En revanche, une dizaine d'occupants verraient leur redevance augmenter en raison de leur situation individuelle et du régime de concession qui a pu changer. Pour accompagner ces situations sensibles et ménager le pouvoir d'achat des foyers concernés, un dispositif de progressivité a été mis en place. Les conditions financières proposées par la ville restent de toute façon plus favorables que celles du marché libre du logement. Pour ces deux délibérations et pour terminer, je tiens à remercier le service patrimoine pour l'important travail effectué, l'état des lieux, le diagnostic, le benchmark, les modélisations, sans oublier bien sûr M. Aubé et Lefebvre, qui ont beaucoup œuvré également. Il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter toutes ces dispositions pour une entrée en vigueur au 1er octobre 2021. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Ouais, c'est un très gros travail que je veux saluer, qui était important, qu'on a ouvert il y a presque un an, voilà, par souci de transparence et d'équité. Mais voilà, je sais la somme de travail que ça représentait pour les services. Donc merci beaucoup de pouvoir nous la présenter. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette délibération? Vous avez dû être très clair. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité? Merci beaucoup. Le tableau des effectifs et des emplois, Monsieur Ribert. Le fameux. Donc, le tableau des effectifs. Une mise à jour est effectivement nécessaire. Nous avons le plaisir d'avoir eu... alors, je vais prendre aussi la personne qui a eu sa promotion avec le CCAS, même si elle n'est pas dans cette délib-là, évidemment. Donc, nous avons 7 agents qui ont effectivement eu une promotion interne.
5 adjoints techniques principaux de deuxième classe qui seront nommés agents de maîtrise et un adjoint administratif, un également CCAS de première classe qui sera nommé rédacteur territorial. Il s'agit donc de mettre à jour le tableau avec ses créations et ses modifications finalement de statut. Et donc, in fine, il n'y a qu'une création nette de poste, c'est le poste d'apprenti technicien informatique dans cette mise à jour. Voilà. Je tenais à féliciter particulièrement parce que l'obtention d'une promotion interne est devenue de plus en plus compliquée, au même titre qu'un concours. Parfois, nous avons 10 postes qui sont ouverts pour 250 ou 300 candidats. Donc, félicitations à tous les lauréats. Et un grand merci au service RH parce que pour que les promotions aient lieu, il faut que les dossiers soient portés dans de très bonnes conditions au CIG. Il y a eu près d'une trentaine de dossiers présentés, donc c'est voilà du travail. Ça n'enlève rien au mérite de ceux qui ont eu les promotions, mais voilà, ça marche bien aussi si les services supports et en l'occurrence la fonction RH jouent le jeu. Et je sais que le travail que ça a été pendant ces derniers mois. Merci beaucoup. Des souhaits d'intervention. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Forget, je vous passe la parole pour une proposition de mise à disposition à titre gratuit pour le personnel soignant de l'hôpital Mignot de la Villa Chèvreloup. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Cette délibération est liée à l'initiative du docteur Brunel, qui est chirurgien, chef de service à l'hôpital Mignot, et qui souhaite remercier son personnel pour son engagement sans faille pendant toute cette crise du Covid qui n'est pas terminée mais qui dure déjà depuis 18 mois. L'hôpital étant situé sur le territoire de la commune, bien évidemment la ville souhaite se joindre à ses remerciements. C'est pourquoi il est proposé au conseil d'administration d'autoriser la mise à disposition gratuitement de la villa Chèvreloup et donc de déroger à la grille tarifaire en cours. Voilà. Voilà, c'est dit. Madame Le Ménet, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. C'est une très, très bonne initiative, bien sûr. Et j'aurais aussi souhaité peut-être que la ville rende hommage aussi à tous les médecins généralistes qui ont donné beaucoup de leur temps pour ces malades et notamment pour la vaccination et qui consacrent leur samedi, leur dimanche. Et je n'aurai qu'une personne à citer au moins dans cette assemblée, Maurice Toledano. Merci. Alors, moi, je voudrais juste dire que le problème de la vaccination n'est pas terminé et que chaque chose en son temps. Et nous verrons bien fin décembre la situation de la pandémie et du vaccinodrome. Rien ne vous empêche de les remercier. Le docteur Brunel non plus, la pandémie, il a son personnel. Enfin, je comprends pas très bien votre réponse. Je vous donne l'idée d'initiative qui serait quand même bien aussi pour remercier tous ces médecins qui sont déplacés à domicile, qui ont appelé les patients, Le Ménet, etc. Voilà. Je trouve un peu dommage de polémiquer sur ce sujet-là. Petit A, on a déjà remercié, et on continuera à le faire, tous les soignants, les médecins, mais pas que les médecins. Je vous invite à aller au centre de vaccination. Vous avez tout à fait la possibilité de voir que il y a des médecins, mais aussi des infirmiers qui sont sur le pont depuis des mois. Donc, bien évidemment, je termine, Madame Le Ménet. Là, on répond à une sollicitation. Si on a d'autres sollicitations, on les étudiera. Je trouve un peu déplacé de polémiquer sur le sujet. Des remerciements, on en a déjà fait. On peut encore en faire d'autres. On en refera d'autres. Il n'y a vraiment pas de sujet. On ne va pas être avare de remerciements. Là, en l'occurrence, on répond à une demande précise. S'il y a d'autres demandes précises, d'autres personnels soignants, on les étudiera. Bah, je trouve un peu dommage. Sur ce sujet-là. Une demande... Non, vous me demandez de remercier. Le sujet n'est pas de remercier. Le sujet est de demander de répondre à une demande précise. Des remerciements, on en a déjà fait. Et je vous assure, on en refera. Je remercie à chaque fois. Si on ne peut même pas exprimer une idée dans ce conseil, ça devient difficile. J'ai senti une envie de polémique, Madame Le Ménet. Excusez-moi, c'est pas polémique. Je vous ai dit que c'était très bien et que je trouvais que ça serait bien aussi de ne pas oublier, parce qu'on l'a souvent dit et les médias en ont parlé, de tous ces médecins de la médecine libérale qui appellent leurs patients. Madame Le Ménet, le jour où les médecins libéraux du Chénéreau concours voudront une salle mise à disposition, il n'y a pas de sujet, on l'étudiera. Mais là, franchement, c'est pas l'objet de la délibération. Donc réjouissez-vous effectivement qu'on donne une suite favorable à la demande du docteur Brunel, et puis ensuite on verra les autres sujets. Et si vous voulez les remercier, les soignants,
tous les jours le centre de vaccination est ouvert. Ils seront ravis de vous voir venir et de vous voir les remercier. Franchement, la porte est ouverte. J'y étais cet après-midi et je les ai encore remerciés. Donc, croyez-moi, on ne sera pas à avoir de remerciements pour les soignants, médecins, infirmiers et tous les autres, parce qu'il y a aussi tous les bénévoles. Voilà. Mais bien sûr. Voilà. Donc merci d'avoir accepté mon idée. Merci. Très bien. Ben, je vous en prie. Ce n'est pas que votre idée. Voilà. Bien, on va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Et merci pour les soignants de l'hôpital Mignot. Je vais terminer ce conseil avec une délibération qui, soyons clairs, Monsieur Soleil, est beaucoup moins intéressante que toutes celles que vous avez présentées. Mais je me vois dans l'obligation de passer à l'approbation du conseil municipal, la modification des statuts de la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc pour la mandature à venir. Je crois que je vais vous faire grâce de toute la lecture des articles, sauf à ce que vous souhaitiez que je vous les parcours in extenso, et donc je vais vous demander d'approuver la modification des statuts de la communauté d'agglomération de Versailles pour la mandature à venir. Y a-t-il des souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions ? À l'unanimité. Merci beaucoup. L'ordre du jour régulier de cette assemblée est terminé. Avant de passer aux questions diverses, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur les décisions ? Je vois le bras de Madame Alquier se lever. Madame Alquier, vous avez la parole. Oui, merci, j'en aurai deux. La première concerne je vois la prolongation de la location de l'équipement Loxamed pour faire le dépistage. A-t-on un premier bilan depuis pratiquement maintenant une année du dépistage qui a été effectué? Comment voit-on la période de vacances? Parce que peut-être qu'il y aura beaucoup moins de monde. Voilà. A-t-on déjà une première idée de ce qui se passe et... Alors, sur le taux d'activité du labo Loxamed, je vous avoue qu'à moins que Benoît Charrière, qui suit ce dossier par cœur et les chiffres en instantané, on vous les communiquera, mais il n'y a pas de sujet. Sur l'actualité sanitaire de l'été, je ne suis pas devin, mais comme vous, je lis les journaux, j'entends parler de variants. J'ai la faiblesse de penser que même si la vaccination progresse, un certain nombre d'entre vous et d'entre nous, nos concitoyens, auront besoin de se faire tester. Donc, je pense qu'il serait maladroit et malvenu de supprimer cette offre de test qui n'est pas exclusive, je le redis, hein, et je ne vais pas revenir sur tous les échanges qu'on a à chaque conseil sur Loxamed. Moi, je considère que ça fait partie d'une offre qu'on doit nous administrer. Je reviendrai en fin de conseil sur l'activité de centre de vaccination. Ça vous donnera une petite idée de ce que les pouvoirs publics nous demandent de mettre en place en termes de vaccination. Je peux d'ailleurs vous le dire tout de suite, hein, puisque évidemment une bonne partie de nos administrés vont partir en congé et quitter l'Île-de-France. Donc le dispositif, le dimensionnement des centres de vaccination sur les Yvelines, qui est de 16 centres ouverts, va être très fortement réduit et passer à 4 pendant les 3 premières semaines d'août. Notre centre, en l'occurrence, sera mis en sommeil pour permettre aux personnels soignants et aux bénévoles et aux agents de la ville de prendre un peu de repos, parce que je ne sais pas de quoi sera fait la rentrée, mais elle risque d'être un peu chargée. Il restera 4 centres de vaccination, dont le vaccinodrome de Saint-Quentin, et un centre provisoire qui sera ouvert sur Vélizy 2 pendant la période estivale. Donc ça vous donne une idée, on va réduire quasiment des 2/3 ou des 3/4 le dispositif de vaccination. Si on fait une règle de 3, il est logique et probable que les dispositifs de test s'alignent et s'adaptent pour maintenir une offre, mais qui sera une offre adaptée à la réalité de la population. Donc voilà, j'assume et je prends le risque qu'on laisse cette structure ouverte. Si elle tourne un peu à vide au mois d'août, c'est pas très grave. Je vais surtout pendant le mois d'août regarder ce que je fais pour le mois de septembre en fonction de ce que sera l'actualité sanitaire et notamment la progression du variant dit variant indien ou Delta Plus, qui semble progresser assez fortement dans d'autres pays, et dont j'ai compris à écouter le professeur Delfrécy que malheureusement il viendrait un peu nous occuper au mois de septembre. Voilà, donc pour ce qui est de l'offre Loxamed, je la maintiens. Ça a un coût, bien sûr. On a été aidé, je le redis, 2 fois par la région. Si jamais on doit la prolonger, je pense que voilà, on continuera d'être accompagné. C'est pas complètement gratuit. Jusqu'à présent, je parle sous le contrôle de Benoît, on a quand même un taux d'utilisation qui était plutôt de l'ordre de 60-70%. Donc on n'est pas à plein régime, mais on n'est pas non plus à un taux d'utilisation marginal qui ferait que ça vaudrait le coup de l'arrêter. Bon, c'était ça ma question. Quel est le taux d'utilisation? C'était pas le fait de l'arrêter, c'était quel est le. Est-ce qu'on a un retour sur l'utilisation de ce. On vous redonnera les derniers chiffres. Voilà. C'était en décroissance, mais voilà, je vous redonnerai le dernier chiffre dès demain. Alors, Madame Alquier, pour une deuxième question, Monsieur Toledano, si vous le voulez bien. Je veux poursuivre le débat avec vous au sujet de Loxamed. Non pas qu'on soit contre, non pas qu'il faut priver les gens d'un moyen de diagnostic. Le problème, effectivement, se pose
Après le mois de septembre, à la rentrée, c'est là où le diagnostic va être bien entendu plus qu'utile. À la période du mois d'août, comme vous l'avez rappelé, les vaccinodromes effectivement vont fermer. Pour vous donner une information, même sur ceux qui vont rester ouverts, notamment celui de Saint-Quentin, on va fonctionner sur une vacation au lieu de deux, et on sera fermé les week-ends. C'est-à-dire, effectivement, on tient compte de cette diminution de la fréquentation qui sera là. Et la question qui se pose, c'est quelle est la fréquentation par rapport au coût? Si on doit laisser effectivement une structure être très peu utilisée, c'est un petit peu dommage. Bien entendu que c'est utile, si on pousse le raisonnement, un diagnostic est toujours utile. Enfin, il va y avoir des évolutions vis-à-vis des remboursements des tests. Les évolutions vis-à-vis des remboursements des tests vont déjà concerner les étrangers qui ne vont plus être pris en charge par la Sécurité sociale, et probablement ça va évoluer vers ceux qui sont vaccinés et pas vaccinés. C'est-à-dire que le fonctionnement de ce centre de dépistage, dès lors que la Sécu ne va plus rembourser la partie prise en charge, qu'est-ce que éventuellement peut-on offrir? Avez-vous pensé à l'évolution de cette prise en charge des tests et comment y répondre? Merci, Monsieur le Maire. Alors, j'ai pas les réponses à toutes les questions, mais effectivement, je vais répondre sur la partie qui me concerne. Si toutes les mesures que vous annoncez, notamment le moindre remboursement, voire le nombre de remboursements, entraîne une baisse de fréquentation spectaculaire, je vais pas continuer à maintenir une structure si elle tourne à 5 ou 10% de sa capacité. On va être très, très basique sur ce sujet. À un moment, si le taux d'occupation devient bas ou trop bas et qu'on est à peu près sûr qu'il y a une offre de soins, de tests alternatifs parce que les labos, la médecine de ville permettent de le faire, je désactiverai le labo Loxamed. Là, le choix, il a fallu le faire il y a quelques semaines pour couvrir la période d'été. À ce moment-là, la situation sanitaire était quand même moins bonne et on se disait qu'un certain nombre de personnes, pour partir notamment à l'étranger, malgré la vaccination, seraient soumises, et d'ailleurs pas qu'à l'étranger, parce que je crois que pour la Corse, c'est aussi le cas, c'est soumise aussi à la nécessité de faire des tests. Donc voilà, c'est ça qui a présidé à la décision de le maintenir cet été. Mais clairement, si la baisse de fréquentation est nette et qu'on est sûr d'avoir des solutions de tests alternatives, on se libérera de l'Oxamed. Voilà. Madame Elquier, je crois que vous avez une deuxième question sur des décisions. Oui, j'avais une deuxième question. Je vois qu'il y a plusieurs missions d'assistance au recrutement. Et donc, je voulais vous demander où on en était sur un certain nombre de recrutements, notamment le responsable du service d'état civil ou le responsable de la restauration scolaire, parce qu'il me semble que certains agents assurent aujourd'hui un double poste. Donc, où en est-on, s'il vous plaît? Alors, sur ces deux recrutements, sauf erreur de ma part, nous avons abouti. Nous avons abouti effectivement avec l'aide de cabinets de recrutement. Et on a tiré parti aussi du temps qu'on a mis à trouver un directeur des services techniques, puisque même avec l'aide d'un cabinet, on a mis 9 mois. Et donc, dès le départ de Monsieur Parissier connu, et on savait qu'on aurait de très grandes difficultés à trouver quelques mois avant les élections, un bon profil pour ce poste, on s'est fait accompagner d'un cabinet, donc on a finalisé un recrutement et la personne qui viendra prendre ce poste arrivera au 1er septembre, puisque vous savez qu'il y a un délai de 3 mois de prévenance une fois qu'on a trouvé le candidat idéal. Pour la partie restauration, je crois que c'est aujourd'hui que la personne est arrivée, donc c'est un recrutement qui est finalisé, effectif et réel. Voilà, donc ça peut paraître, ces missions d'accompagnement, il y a un mystérieux, vous avez vu les décisions, c'est 10 000 euros à chaque fois, donc c'est cher. On a aujourd'hui une bonne connaissance de l'état du marché, de la tension du marché, notamment en Île-de-France. Et donc, il y a des postes sur lesquels on a de quoi tenir un peu. Et je profite pour remercier, même si elle n'est plus parmi nous, Madame Ripoll pour avoir assuré bien plus qu'un intérim sur cette partie état civil. Mais il y a des moments où on ne préfère pas prendre de risques et voilà, on fait le choix de dégainer rapidement parce qu'on sait ce que ça nous coûte d'être à découvert de postes d'encadrement notamment. Et en tout cas, là, sur ces deux dernières missions d'accompagnement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, un recrutement effectif et réel dans la restauration et un sécurisé, mais à venir au mois de septembre pour la partie état civil. OK. Et puis, dernier petit point, je suggère qu'on applaudisse Madame Ripoll, puisque je pense qu'elle vient de terminer On peut la réapplaudir parce qu'elle a quitté le service actif hier. Voilà, j'espère qu'elle nous écoute, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut de nouveau remercier Madame Ripoll pour tout le travail accompli au service de notre collectivité.
Madame Alquier, si pas d'autres souhaits d'intervention sur les décisions, je vais vous redonner la parole pour ce qui sera le dernier point de notre conseil, c'est-à-dire une question diverse. Je vais le dire, je peux vous le dire. Voilà. Oui, j'oublie. Faut que j'aille la chercher. Voilà. Je peux aller la chercher, mais ça sera peut-être plus rapide comme ça. Je dois la lire précisément, oui. J'aurais pu la dire, le règlement, de la lire exactement comme je vous l'ai transmise. Voilà, merci. Alors, dans le cadre des diagnostics sociaux diligentés à la demande de la CAF, 6 groupes de travail ont été organisés fin mai et début juin 2021 pour approfondir l'aspect qualitatif de l'analyse des enjeux sociaux et sociétaux de la ville. Un compte-rendu de ces groupes de travail a été promis à l'ensemble des participants. À ce jour, nous n'avons reçu aucun retour ni synthèse des travaux effectués en commun. Pourriez-vous nous informer sur les résultats du diagnostic, s'il vous plaît ? Je crois que oui, et je vais passer la parole à Madame Charpentier. Les groupes de travail ont fini il y a 15 jours à peine et on vient de recevoir le premier jet des résultats. Mais alors on pourrait effectivement vous l'envoyer, mais il y a un dernier comité de pilotage qui est prévu au mois de septembre. Et à l'issue de ce comité de pilotage, on va communiquer dans le mensuel, mais également et peut-être avant, il y aura une vraie présentation par notre conseil, en conseil municipal et au CCAS. Voilà, ils vont faire une présentation. Donc voilà, où on vous envoie les résultats un petit peu bruts la semaine prochaine. Ouais. Mais en fait, il y aura une vraie synthèse qui sera présentée à l'ensemble du conseil municipal à la rentrée prochaine. Oui, et je souhaiterais que nous soyons effectivement. Bon, je souhaiterais que nous soyons informés effectivement avant que ça paraisse dans les journaux mensuels. Non, le journal, ça sera la dernière étape, mais d'abord c'est le conseil municipal et le CCAS en fait avec une présentation. S'il vous plaît, merci. Oui, merci. Voilà, mais enfin, je le redis, strictement rien caché. On a partagé assez largement ces infos auprès de la population dans le journal municipal. Je me suis assuré que l'ensemble des groupes étaient invités à l'ensemble des groupes de travail. Et il m'a été dit que vous y aviez toutes et tous participé. Et je crois que les retours étaient plutôt bons. En tout cas, le tissu associatif a été très, très heureux de ces temps d'échange. Et donc, bien évidemment, voilà, le produit sorti, je crois que c'est aussi important de laisser le temps à ceux qui nous accompagnent d'exploiter ces données pour qu'elles soient pratiques. Mais aucun sujet là-dessus. Ces données, je le rappelle, cette étude était obligatoire et ces données, elles sont pour tout le monde. Et je crois qu'il est utile qu'on puisse toutes et tous les partager. Avant de vous libérer, je voudrais partager avec vous quelques éléments d'information. Petit A, saluer très chaleureusement notre collègue Simon Bonne qui va ce soir quitter le conseil municipal à sa demande et pour raison personnelle. C'est à très grand regret que Simon, nous allons te laisser partir. D'une part pour ton très grand professionnalisme, pour ton implication, et je voudrais souligner, parce que j'ai été très agréablement surpris par l'extraordinaire implication que tu as eue vis-à-vis des administrés, l'attention que tu leur as apportée, le temps que tu leur as consacré à te déplacer, à essayer de répondre, ce qui est un exercice compliqué, à l'intégralité des demandes jusqu'à encore aujourd'hui, te soucier de savoir qui allait répondre demain aux gens que tu as vus. Donc je crois que voilà, pour ton très bel engagement, tu mérites toi aussi quelques applaudissements. Donc nous allons te gratifier. Voilà, et nous accueillerons pour te remplacer Frédéric Rospini dans quelques jours. Si la situation sanitaire le permet, je le souhaite, le prochain conseil qui aura lieu le 30 septembre se tiendra dans la salle du conseil, sauf avis contraire des hautes autorités de la ville. Donc, je ne crois pas qu'on ait l'occasion d'y siéger depuis le début de cette mandature. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera une découverte. Pour les plus anciens, vous allez retrouver un décor connu. On va essayer d'améliorer un petit peu les conditions. Je crois que notamment pour les micros, on va essayer de faire des progrès. Donc, retenez la date du 30 septembre. Je vous convierai à un conseil privé
dont la date n'est pas fixée, mais qui se tiendra plutôt début septembre, concernant le plan communal de déplacement urbain, pour qu'on ait un vrai temps d'échange, donc dans un format voisin de celui-là, mais vous le savez, dans un statut de commission, pour partager le très gros travail qui a été fait et donc que je souhaite ensuite pouvoir partager auprès de la population lors d'une réunion publique. Mais il me semble que par préséance, c'est normal qu'on ait un temps d'échange entre élus. Donc on tiendra début septembre pour pouvoir avoir l'opportunité de faire cette réunion publique avant la fin du mois de septembre et de revenir ensuite de manière plus détaillée, comme nous y sommes engagés, auprès des conseils de quartier sur le sujet. Mais je souhaite que les choses soient faites dans l'ordre. L'étude est finalisée, donc je ne vais pas vous inviter à vous réunir en plein milieu du mois d'août, mais tout début septembre pour qu'on puisse partager là aussi, de la même manière qu'on le fait sur le diagnostic de territoire, un certain nombre de données qui nous permettront ensuite de, voilà, d'engager des actions sur ces sujets importants. Dernier petit point donc sur la vaccination. Donc le centre va être fermé pendant les trois premières semaines d'août. Il reste ouvert jusqu'à la fin du mois de juillet dans les mêmes horaires, c'est-à-dire en semaine de 13h à 17h. À partir de la semaine prochaine, nous allons entamer la revaccination. Puisque c'est évidemment l'obligation que nous avons observé une baisse de fréquentation pour les primo-vaccinations depuis maintenant trois semaines. Et donc nous avons convenu avec l'ARS que l'amplitude horaire telle qu'elle était permettait d'assurer les revaccinations et les quelques primo-vaccinations qu'il y aurait dans le courant du mois de juillet. J'en profite donc pour remercier sincèrement et chaleureusement les soignants, les bénévoles, les élus qui consacrent beaucoup de temps à accueillir nos administrés et puis celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner au généraux concours. Mais globalement, nous n'avons de très bons retours. Je ne peux également que vous inviter à vous faire vacciner si vous ne l'avez pas encore fait et inviter celles et ceux que vous connaîtriez qui ne le seraient pas encore à se faire vacciner. Nous avons accueilli à titre d'information cet après-midi 4 personnes de l'EHPAD privé Corian et Dieu sait pourtant que ce sont des publics prioritaires, 5 me dit-on. Voilà, et donc on fera nos meilleurs efforts et quand je dis qu'on les a accueillis, on a neutralisé un créneau horaire pour qu'ils puissent être accueillis dans de bonnes conditions eu égard à leur grand âge et à leur mobilité très réduite. Donc on fera là aussi les meilleurs efforts pour permettre à celles et ceux qui en ont besoin d'être vaccinés. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, de belles vacances pour ceux qui en prennent et rendez-vous à la rentrée. Merci, au revoir.